Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau mardi, un nouveau popcorn dans une sublime compagnie. Juste à côté de moi, le retour du prince déchu. Il est de retour avec de nombreuses années. Avec le mangement. Non mais l'intro. comment ça va, mon Tommy? Ça va et toi, mon frérot? Bah très bien. On vient tout juste en plus de commenter une petite game Valorant sur ta chaîne de ton équipe là. On a gagné grâce à toi. Ça a win, je te sens heureux. Moi là, non franchement, j'aurais pu être, ça aurait pu être la catastrophe, la dépression. Là je suis bien, en forme, on a gagné, tout va bien. C'est bien, et on va en reparler de façon 4-0 week. Honnêtement déjà, moi j'ai découvert, hein. J'avoue que j'étais sur un Valorant il y a une heure. Le commentary. J'ai pas encore tous les champions. Gigi aussi qui est là, Gigi une petite veste. Écoute, C'est quoi sur le pectoral gauche là? C'est le pectoral pardon. C'est CK, Clark Kent, qui débarque un petit peu, qui fait son petit boucan sur internet. Comment ça va frérot? Bah ça va très bien, je suis très content d'être là, line-up de fou encore ce soir, un petit peu malade, les allergies là, ça commence à tabasser. Pollen Ouais, pollen, malheureusement, ça m'est pas bien, mais sinon, très heureux d'être là. Tu parles un peu de cétrizine, de Zyrtec, d'antihistaminique, voilà, d'antihistaminique, pardon. Effectivement, les antihistaminiques. Du pollen là? Ouais, c'est pollen. Là, ça commence fin mars là, et ce week-end, ça commençait, tu sais, c'était Pâques. Ouais. Alors la petite, elle sortait chercher des œufs, moi, je sortais chercher mon nez, c'était un peu plus difficile. Mais très content d'être là, et puis on va passer une belle soirée. Bah, exactement, en bout de table, on a quelqu'un qui nous a régalé hier. Il y a eu un Zach en roue libre avec Samir Nasri. Si vous étiez pas en live, je vous conseille. C'est Zach, comment ça va frérot? Ça va très très bien, et vous? Je suis très content d'être ici, ça me fait toujours plaisir d'être sur Popcorn. Bah honnêtement frérot, c'est pareil, c'est vrai que hier j'ai pas eu le temps de tout rattraper, j'ai maté quelques clips et j'ai dû mater 45 minutes hier en live, mais c'est vrai que Samir Nasri du coup dans Zach en roue libre, ça a dû durer 3 heures, il était trop bien parce que le mec a un palmarès de fou quand même en termes de joueur de foot, et il a un franc-parler où il te raconte tout quoi sur Pep Guardiola, c'est un bon client, sur tous les joueurs. C'est la folie d'avoir quelqu'un qui a fini sa carrière et qui n'a rien à devoir. Ouf, lui on peut pas lui dire ouais machin tu vois, donc du coup oui effectivement il est venu avec un franc-parler énorme, des anecdotes de fou, et même si vous n'êtes pas foncièrement intéressé par le foot, la façon dont il en parle, dont il parle des matchs à haut niveau qu'il a vécu, des entraîneurs qu'il a pu connaître, des anecdotes de ses transferts lui-même, tu vois, des choses comme ça, c'est toujours hyper intéressant. C'est l'émission la plus longue qu'on ait fait, 2h45. C'était oui non mais au bout de 2 heures j'avais encore des choses à voir. Et tu sais t'essayes de voir dans les rictus du gars, est-ce que on est sur une fin d'émission ou est-ce qu'il faut continuer, tu vois. C'est super drôle mais faut y aller par contre. Parce que... en plus il jeûnait donc je me disais je peux encore ou pas, et tu sais je voyais il regardait pas son téléphone, il était là, il dégainait, il était content, donc je dis bon vas-y on continue, et au bout de 2h40 je commence à dire allez. Il a tiré sur des gens un petit peu, j'ai pas encore regardé. Il a pas spécialement tiré sur des gens, mais il a raconté un peu sur le Gret. Mais il a un peu raconté plein de choses, par exemple quand il s'est fait entraîner par Guardiola, quand il a affronté le grand Barça dans les années 2010, comment est-ce qu'il arrive à Manchester City, tu vois, il aurait pu aller à United, finalement à City, comment est-ce que sa fin de carrière, il y a eu des blessures, l'équipe de France, bref, je vous la fais pas en total, mais très bonne émission, une des meilleures que j'ai pu faire, et je suis extrêmement content de cette émission et de la saison au global. Ah bah tu m'étonnes, j'avoue que t'as enchaîné les gros invités et surtout les bonnes émissions aussi. Parce que Karim, c'est Benzema. Bon, on se met tout en Stardust, désolé. Mais Benzema, moi je suis encore bloqué sur ça. Ouais, j'étais content. Ah oui, mais enfin, ça a ouvert pas mal de choses. Tu m'étonnes. Tu commences à avoir des très gros. Mais c'est vrai quoi, dans ce truc, parce que Karim c'était vraiment intéressant et tout. Mais Samir a son truc à lui aussi. Je vois à des moments, t'essayais de. Un peu de recontextualiser, il était en mode t'inquiète, je vais raconter. Pas de panique, je prends le relais. Totalement. J'ai voulu lui parler donc peut-être du plus grand moment de l'histoire de la Première Ligue, le match face à Queen's Park Rangers en 2012 où Manchester City prend à la dernière seconde le titre. Même si vous connaissez pas le foot, vous avez peut-être déjà entendu ce commentaire légendaire à Aguero avec le gros tout le monde pète, enfin le stade pète. Pas dans le soundbar de Xari donc je connais pas. Bon, je vais vous montrer des images. C'est à voir. En réalité, c'est vraiment ultra connu. J'ai commencé à vouloir contextualiser. Il m'a dit, comme il a dit pas, il dit t'inquiète, je fais. Bon, bah, écoute, frérot. Allez, t'as tout mis. Non, mais on voit. C'est dispo sur la chaîne YouTube de Zach si jamais vous voulez voir ça. Et c'est vrai que Samir, mais c'est avec Lowan, il joue pas mal à Warzone et tout aussi. Et sur. Moi, j'avais fait du poker chez Gotha avec lui. Et c'est vrai que je l'avais trouvé très détente. Et pour Twitch, hyper bien, quoi. Parce que. Il fit bien avec l'univers Twitch. Ouais, il dit les choses, honnêtement. Ouais. Et il était content. Oui. Il était vraiment content d'avoir fait ça. Il était là, ah ouais, bien et tout, les gens, machin, ils étaient hypés, tu vois. C'est une manière pour eux aussi de connecter avec les jeunes qui les ont toujours soutenus, tu vois, tout ça, machin, qui regardent pas forcément Canal ou. C'est sa première fois là sur Twitch ? Comment ? C'était sa première fois sur Twitch ? Pas sa première, mais c'est une de ses premières. Autant en tête-tête, je pense. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que c'était peut-être sûrement une de ses premières interviews sur Twitch qui permet d'avoir vraiment plus de liberté qu'à la télé où c'est timé ou peut-être média, classique, radio. Et là, il peut dire plus de choses. Ah non, mais là, il était content, il a pu vraiment se mettre de ouf. Non, mais Gigi, ça va te parler. J'ai vu ça, il y a une expo
sur Zizou. Qui va avoir lieu à Paname là, en octobre 2023. Philharmonie de Paris. En gros, en fait, ils ont repris un match. C'était genre en 2005, je crois que c'est quand il avait joué. Voilà, Real Madrid de Villarreal. En fait, il y avait 17 caméras qui étaient pointées uniquement sur Zizou. Et du coup, je crois qu'ils ont... quand il était en train de prendre sa retraite. Bah, en 2005, il jouait encore. Il a joué le match. Ouais. Mais en train de l'apprendre, je crois. Je crois qu'il avait pris sa retraite et après il avait annulé. Il était revenu en 2006. Il est de retour. International et ensuite il revient. Mais en tout cas, ouais, du coup, j'avoue que j'ai vu ça passer. Je me suis dit tiens. Bon, le coup, et il te retourne ça des placards 18 ans plus tard. Ouais. Ouais, je sais pas le pourquoi du comment, mais suspendu dans l'espace d'exposition, les 17 écrans géants diffusent en les spatialisant des contenus sonores spécifiques, invitant le visiteur à déambuler dans les images. Mais ouais. Stéphane Berge. Le souffle de Zidane, sa voix intérieure, le bruit des heurts du terrain, le chant des supporters, les sons du choc des corps et des frappes du ballon. L'ensemble de cette matière sonore. Bon, j'en parlerai jamais si c'était pas Zizou. Mais c'est Zizou, quoi. Okay, donc, c'est une expérience, quoi, à vivre. Non, mais on dirait qu'ils ont trouvé des cassettes dans un carton. Ils ont dit, attends. Des kawades. Après, Zizou, quoi battre. Qu'il arrive, ça clique. Hein. Bah donc, oui. N'importe quelle année, ça clique. Forcément, tu vois, il y a un moment quand c'est Zizou. On va voir. Gigi, t'as fait. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps, je me suis rendu compte que Gigi nous avait pas parlé de parc d'attractions. C'est vrai que ça fait super longtemps. Non, mais alors. Moi, personnellement, il y a eu un bout de ma vie où à chaque fois que je te voyais, c'était. Ça va, alors là, j'étais. Là, ouais, effectivement. Mais normal, parce que c'est aussi ta passion. Et là, donc, Parc Astérix, il y a Toutatis. Donc, ils ont fait en gros une nouvelle branche au Parc Astérix. Ouais, exactement. Et, alors, j'ai eu la chance d'être invité vendredi après-midi, donc à partir de 13h. Et samedi, il y a eu l'inauguration du festival Toutatis. En gros, qui a un nouveau land au Parc Astérix et qui comprend Toutatis, qui est la nouvelle attraction phare du parc et qui. Honnêtement, est un petit bijou, un petit banger. On a énormément de chance d'avoir ça en France parce que c'est une folie. C'est quoi Toutatis dans le lore de Astérix? Tu sais, quand Toutatis. Toutatis, c'est leur dieu à eux, tu vois, que le ciel ne leur tombe pas sur, sur la tête, effectivement. Mais c'est genre de l'extérieur, c'est le plus gros truc, non? Parce que genre, je voyais qu'ils ont fait quand même pas mal de com et tout. Et c'est vrai que moi, je suis pas trop les parcs, donc en mode une nouvelle attraction, je me dis pas, oh là là, putain, qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, on peut voir le on-ride ici d'ailleurs. Genre, Etabas, c'est ce que t'as pu essayer, toi? Ouais, vraiment, Etabas. Moi, j'ai fait au first row, donc au premier rang, comme on peut le voir ici, oui. si je puis me permettre. Premier rang, rien de ton côté. Voilà, ici, bon, je peux vous décrire un peu le on-ride ici. On a un stall qui met très très bien. A perdu ses clés d'ailleurs ici, là on a la photo, ensuite on a deux petites bosses, c'est pas une vanne en plus, et en gros l'attraction, pourquoi elle est intéressante, c'est parce qu'elle est un peu unique en son genre, enfin, alors, j'exagère un petit peu, mais il y en a une seule de ce type là qui existe, elle est à Busch Garden Williamsburg aux États-Unis et en gros là on va simuler ce qu'on appelle un rollback, c'est-à-dire que vous allez repartir en arrière et c'est tout à fait normal, et ça donne une petite sensation sympa, et donc en gros c'est une machine de tous les records puisqu'on a 23 airtime, les airtime c'est le moment où on est vraiment décollé de son siège, on passe beaucoup le cœur qui se lève là, exactement, on a beaucoup plus de temps en dehors heureusement pas du siège. Mais en train d'être soulevé plutôt que dessus. Et en gros, ça se fait en deux temps ici. Hein. Vous allez être accéléré jusqu'à revenir en arrière. Vous allez monter sur la flèche et reprendre quelques accélérations. Vous arrivez sur le top hat ici, vous descendez. C'est une courbe à 120 degrés. Donc vraiment, on revient en arrière. Ici, on a le zero G-stall qui est vachement intéressant comme figure puisque c'est vraiment un moment où vous êtes la tête en bas, hein, tout simplement pendant quelques instants et ça continue d'avancer. Ici, on a très. Ça a l'air long pour le coup parce que parfois, ça peut être déceptif les attractions en mode au bout de 30 secondes, t'as fait une heure de queue et voilà, c'est ça. Le rapport queue. Et tant de mais plaisir. Attends, qui l'a fait ici à part Gigi, Gigi. PA ou non, non, mais, non. Si on vous propose de la faire, vous la faites ou pas? Ah oui, il faut la faire. Moi, je suis devenu un peu chaud des attractions. Avant, j'avais trop peur. Je détestais ça. Ouais. Et je me suis. Débridé un peu C'est quoi par rapport à Port-Aventura quand tu y étais allé? Je pense que ça t'a peut-être débridé un peu. Ouais, vous avez fait Shambhala, vous avez fait des bêtes d'attractions. J'avais fait Port-Aventura avec Xav, un peu toute la clique. Il y avait Ponce et Rive aussi. Et c'est vrai que du coup, tu te retrouves. En fait, moi, j'ai hyper peur en me disant je vais mourir. Bon, une fois que t'es dessus, en fait, tu meurs pas, quoi. Non. Donc, c'est prévu. Hein. D'ailleurs, en coaster, c'était un moyen de transport. C'est Ouais, vas-y. Les stats, là, que t'as sorti, t'as pris ça par cœur ou c'était en impro, là, pour de vrai, là? Non, c'est un impro. Bah après, vous avez dit la vérité ou pas? C'est la vérité. Donc, 101 degrés et tout? Là, c'est 101 degrés sur la cour après le top hat. Donc, le top hat, c'est le moment où tu vas monter. Tu montes à 50 mètres. Mais il est sérieux, là. Ah, non, mais Gigi kiffe trop les parcs attractions, frérot. Oh, je me sens jugé. Tu connais tout par cœur. Par exemple, je peux te dire. C'est impressionnant. Le Yann fait 1350 mètres, c'est-à-dire 1,3 km de parcours. Et qu'il dure, vraiment. Et ça dure assez longtemps. C'est l'attraction, techniquement, avec le plus d'airtime au monde dans ce style. Donc, 23. Et c'est vraiment génial. Ils sont donnés pour avoir ça. Ils sont beaucoup donnés. C'est une attraction qui a coûté quand même 36 millions avec le. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est un bon investissement, mais pour donner un ordre d'idée, on est très 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 loin des prix pratiqués par exemple par Disney, parce que ce qu'on appelle la thématisation autour, les décors, etc. Au parc Astérix, moi j'adore le parc Astérix, mais c'est pas le même game que Disney où t'as un petit idée fixe de temps en temps. Exactement. Un petit, Tu vois, la Tour de la Terreur, c'est 300 millions de budget. C'est quoi le meilleur parc d'attractions que t'as fait de toute ta vie? Pour l'instant, c'est Fantasialand en Allemagne.
c'est en Allemagne, ouais. C'est en dessous de Cologne, c'est à 40 minutes en dessous de Cologne. Comme Europa Park. Et c'est alors c'est un, pas exactement comme Europa Park, c'est que pour les adultes, on va dire, c'est que de la grosse sensation. Ah oui, que des trucs qui tabassent quoi. Mais vraiment que des trucs qui tabassent. C'est-à-dire que même dis-toi un petit train de la mine, tu ressors de là, t'as le Vosser qui est là. Vas-y avec. T'aimes bien toi, Thomas ? Si t'aimes ça, tu vas te régaler, ouais. En fait, je sais pas. Je te sens choqué. Il sait même pas parler. En fait, ça, c'est à Fantasyland. En fait, pour moi, c'est dans mon top 3 of all time. Et c'est incroyable. La Disneyland, ouais. J'étais vraiment déçu, moi. C'est normal. C'était pas assez, quoi. Si tu veux de la sensation, c'est pas à Disneyland. Frérot, c'était 2 heures de queue. J'avais payé des passes VIP. Au lieu de faire 2 heures de queue, j'en faisais une heure. 30 secondes, j'étais déçu, quoi. Alors que Disney, il n'y a pas grand chose. Pas moins de queue. Ou alors, en tout cas, moi, j'ai fait 50 minutes et je l'ai fait deux fois, cette attraction-là. Et Taron, c'est vraiment, ça t'arrache la tête. Il faut savoir que c'est un parc qui est assez impressionnant parce qu'il se trouve en Allemagne et dans leur législation du canton, ils n'ont pas le droit d'aller à une certaine hauteur sur leur attraction. Ce qui fait que tout est vraiment très, très resserré. Et du coup, c'est très sinueux. Ça là, t'es très, à combien très t'es à 100 là, t'es à 120 km/h. Oh là. Que parfois, on se rend pas compte à la caméra. 120. Bah, dis-toi que Flight Force, si tu l'as fait, c'est donc l'ancien Rock'n'Roller Coaster qui est à Disney. Flight Force, maintenant, c'est dans le Land Iron Man. Celui qui fait le départ, bah, c'est 90 km/h. Donc, c'est pas très grave. Moi, je me suis aussi un peu débridé sur les choses qui font peur comme ça. Et ouais, ça régale. Hein, mais là, je me chie dessus. Tu l'as fait celui de Los Angeles ? Tu étais allé ? J'ai fait Six Flags, j'étais très déçu par Six Universal. Flags. Universal, mais Universal, il n'y a pas vraiment de sensation. C'est juste. Si jamais, hein, dans le chat, vous avez quelque chose, voilà, une petite review à demander, bah, n'hésitez pas. Pardon. Non, mais t'inquiète. Quand vous faites un truc effrayant comme ça, là, ouais. Vous extériorisez un moi, legit, je crie. Moi, je peux. Genre, je fais. Oh, j'adorerais, Zach, te voir, mais vraiment. Mais ce serait mon rêve. Non, mais je braille. Moi, malheureusement, je n'ai aucune émotion. Ça déçoit un peu. Ma femme crie énormément. Moi, je ne crie pas du tout. C'est-à-dire que. Mais toi, t'as l'air rodé. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Non, mais il y a des gens qui sont rodés et qui aiment beaucoup ça et qui extériorisent comme il faut. Moi, je n'arrive pas vraiment. De toute façon, ma tête sur les photos, je suis comme ça. Vraiment, c'est mais il kiffe de ouf. Mais je kiffe. Il est en introspection. Il adore. Mais c'est extraordinaire. Et pour la petite anecdote, moi, ce que les types d'attractions que j'aime le plus, donc c'est les wooden, donc c'est des attractions en bois, tu sais, en général des trains, des montagnes russes en bois. Et c'est bien dangereux, tu peux bien mourir, quoi. Ouais, exactement. Ça tape bien sur les côtés, ça tape bien, etc. Et la meilleure que j'ai faite, c'est d'ailleurs aux États-Unis à Knott's Farm. Et moi, ce que j'ai grave kiffé, ouais, j'ai un petit accent. Et ce que j'aime trop, c'est les tours de chute. Moi, j'ai le vertige, j'ai horrible, très peur. Ça, c'est mais horrible. Je le ratio, tu sais, sensation peur. Prend le dessus, c'est-à-dire que j'aime tellement la sensation que je me dis bon, même si j'ai peur, vas-y, j'y vais. Et Fantasia, et j'adore là. En tant que nous, quand même, je peux y aller ou bah, je vais me trop me chier dessus. En fait, je sais pas, ça dépend toi. Est-ce que toi t'aimes les sensations et tu me dirais que t'as peur de rien? Bon, j'ai un peu peur quand même. Fête foraine, tu fais les trucs fête foraine parce que du coup t'as Disney. Non, je dirais que je suis un peu heureux normal. Mais en fait, foraine, les boules là et tout. Ce que je dis très souvent, un petit peu. Non, les boules, moi jamais. Ah, c'est horrible. Si vous voulez mettre un pied dans les sensations, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, tout. C'est Europa Park. Okay. Tu vas à Europa Park, ouais. Tu as des trucs qui sont sensationnels. C'est l'entrée de gamme du sensationnel, on va dire, Europa Park. Et tu vas te régaler. Il y a de très très belles choses. Secondes aussi, les attractions, ça va, c'est un peu. Non, ça dure beaucoup plus longtemps. Je te conseille d'aller faire Silver Star, Vaudan, Blue Fire. Faut pas y aller le week-end, quoi, je pense. Tu veux pas venir avec moi? Mais gars, je viens avec toi, avec grand plaisir. Il amène les gens, en fait. Bah voilà, je viens récupérer. Vas-y, go, moi, je suis une passée, tout simplement. Avec grand plaisir, frérot. Ok, vas-y, pourquoi pas mourir? C'est ça, Silver Star, on l'a fait. Europa Park. À Europa Park, exactement. Non, je suis un pardon, j'ai menti. Ça quand t'es devant. Mais tu sais que ça descend à 130 km/h. Moi, j'avais trop peur parce que moi, bah, tu me demandais c'était quoi les trucs qu'on faisait. Moi, je crie pas, je fermais les yeux, moi. Oui, je t'ai oublié sur le tout que t'es comme ça. Récemment, j'ai réussi. Il veut pas voir son destin. Ouais, tu sais, je me dis, bah, en fait, si je ferme les yeux, il peut rien m'arriver. Je vois pas ce qui arrive. Je crois que je suis un gros peureux, hein. Parce que rien que les yeux. Non, mais ça a l'air d'être. Et surtout, quand tu vois en vidéo, tu dis, oh, ça fait un peu. Quand tu vois en vrai, c'est encore plus impressionnant pour le coup. En vrai, c'est quand même très différent. Je trouve que là, souvent, la vidéo ne rend pas honneur au ride parce que là, c'est filmé en 4K, donc t'as pas la sensation de vitesse. Oui. Le mieux, c'est prendre des mecs qui ont fait des vidéos il y a 10 ans où c'était des vieilles caméras et tout. Parce que là, tu testes, enfin, c'est un peu stabilisé, etc. Ouais, c'est stabilisé. Non, mais en tout cas, dernièrement, je voulais aller au Futuroscope, ça a brûlé là. Juste pour cette petite info, c'est donc Objectif Mars qui est un spinning coaster. C'est un coaster qui est donc des wagons qui tournent, à une petite partie d'Arkride. Et ensuite, tu es projeté, c'est plutôt familial. Et malheureusement, il y a eu un petit incident vendredi, quand on était au parc Astérix. Une des batteries en lithium qui est en dessous de le wagon a pris feu. Et
Alors, entre guillemets, heureusement, c'était à la fin du raid, ce qui a permis quand même d'évacuer le plus rapidement possible. Mais il y a deux personnes qui ont été blessées. Il y a eu un communiqué du parc Futuroscope qui a dit que voilà, l'attraction était fermée jusqu'à nouvel ordre et qu'ils étaient en train de se renseigner pour savoir ce que c'est. Ah ouais. Futuroscope, c'est un parc d'activités. C'est old un peu, non ? Bah, le problème, c'est que les gens... Ouais, le problème du Futuroscope, c'est peut-être le nom qui ne fait pas trop écho à ce que c'est. Mais il faut... Moi, j'adore le Futuroscope, mais il faut y aller en sachant où tu vas. C'est-à-dire que si tu t'attends à prendre une claque visuelle en disant waouh, ça va être le futur, frère, ils ont une attraction qui s'appelle la Vienne Dynamique. Le film, c'est une deux chevaux qui fait une course. C'est pas possible. On est plus dans ces rêves, mon frère. Mais en termes d'attraction et de d'expérience et d'activité, si tu y vas avec. De science et tout. Ouais, je trouve ça vachement bien. Okay. J'aime beaucoup. Il y a des trucs qui sont old, effectivement. Mais l'année dernière, qu'est-ce qui est sorti ? Chasseur de Tornades, qui a été élu meilleure attraction du monde l'an dernier. Donc, ah ouais, chez eux. Ah, comme quoi. Ils ont quand même de belles techno. Ouais. Ils ont un nouvel hôtel qui vient de s'ouvrir. Et ils ont également. Poitiers, toi, quoi ? Qu'est-ce qu'il a avec le Futuroscope, c'est vraiment le seul palmarès de la ville de Poitiers. Hein. C'est vrai. Bon, il y a Charles Martel quand même, mais après, ouais. Il y a quelques infos. C'est les deux, quoi. C'est les deux. Ouais, il y a eu pas mal de choses. Mais en vrai, non, c'est vrai que ouais, Futuroscope, pour moi, c'était un peu les premiers à avoir des trucs genre 4DX, etc. Tu vois, à l'époque où c'était. Aujourd'hui, ça allait. Le futur du passé. On parle de ville, mon cher Zach. Oui. Malheureusement, il y a eu un déplacement la semaine dernière. Aïe, aïe, il y a eu un déplacement à Nantes parce que c'était la demi-finale de Coupe de France où l'OL avait une chance d'aller en finale. J'ai vu un petit tweet sur... Parce qu'on va pas revenir sur le côté footballistique. Non, pas de problème. J'ai vu un petit tweet sur la ville de Nantes. En dehors de la défaite, je n'ai jamais vu un endroit comme Nantes, un mélange de saltimbanques, de crackheads et de mecs au regard pas rassurant. Le tout dans une ville très agréable à visiter. C'est la première fois que je vois une ville dans une telle atmosphère. Première fois à Nantes, comment ça s'est passé ? Les policiers sont agressifs aussi à Nantes. Comment ? Les policiers aussi, ils sont méchants à Nantes. Bah en fait, si tu veux, genre, j'ai pas vu spécialement les policiers agressifs ou quoi, mais j'ai tourné les villes de France là-bas avec Charlie Danger, qui passe de temps en temps ici, dédicace à elle. Donc j'ai pu voir la ville un peu, sachant que je l'avais vu déjà la veille pour le match, et en reconnaissant que c'est dans un contexte de manifestation, d'accord ? Mais vraiment, je n'ai jamais vu une ville comme ça de ma vie. Genre, c'était une atmosphère que je n'ai vue que là-bas. Alors, quand je dis des saltimbanques, je te jure, genre, c'est saltimbanques, des gens qui font du diabolo dans la pelouse. Sarouel, fumeur de chichon, tout ce que tu veux, etc. Bon, là, on va vite fait dans le... La totale. Oui, dans la totale. Franchement, c'est un peu cliché, mais je veux pas dire que c'est que ça. Non, pas du tout. Tu vois, mais il y en a. Ensuite, j'ai vu effectivement des craquettes. Alors là, il faut là, pas qu'ils viennent à Perpignan, Zach. C'est comme quand je suis allé à Montpellier, hein, vraiment des gens qui s'arrêtent. Ah oui, Montpellier, c'est la ville de Zaz, hein, frère. Tu vois, ça joue du diabolo, ça chante. Ça commence à invoquer des rats sur le côté. Non, j'ai vu déjà, passage piéton dans des états pas possibles. C'est triste, in fine. Mais en journée, genre ? En journée, ouais, in fine, ouais. Franchement, c'est triste. Et après, j'ai vu des gens, au regard pas rassurant, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, des gens, oui, là, tout est dans. T'as pas envie de passer quand la nuit est tombée, quoi, tu vois. Et par contre, à côté de ça, la ville était trop bien, trop jolie. Donc j'ai pu voir un peu l'île de Nantes, okay. J'ai pu voir un petit peu leur sorte d'éléphant géant en bois, dont ils sont extrêmement fiers. Le fameux, la légende. Très joli, ouais, effectivement. Tu as vu l'hippodrome ? Je suis pas du tout à l'hippodrome, franchement, sans mentir. Mais je connais bien Nantes, toi. Qu'est-ce que... J'ai habité là-bas pendant 6 mois. Ouais. Six mois, mais comme genre. La toute première JL House. Et tu confirmes ce que je dis ou alors j'ai abusé ? Tu sais, moi je sortais pas. Si. Je sors pas, franchement. T'es dans une maison pendant 6 mois, là, jamais sorti. Que ce soit à Nantes ou ailleurs, il y a la fibre. Avec des créateurs de contenu comme vous, vous me fascinez. Parce que vraiment, genre, c'est pour une ville, pour Lille, j'ai essayé d'en contacter 3-4 comme ça. Et les 3, franchement, j'habite à Lille depuis 10 ans. Ouais. Je connais rien. Non, mais vraiment, des mecs, je me dis, mais vous vivez un peu quand même. Les mecs ne sortent jamais, quoi. Vraiment. Non, Perpignan. Parce que c'est selon la ville, je connais la gare. Tu veux venir à Perpignan ? Oui, à Perpignan, mais Nantes. Oui, après, six mois aussi, c'est vrai que c'était court. Et du coup, parce que c'est vrai que là, c'est exact, toi, tu fais un peu tout le tour sur YouTube et tout. C'est quoi les choix ? On sait, Gigi, toi, c'est Montargis. Tommy, toi, par exemple, justement, tu étais à Toulouse, là, pour la JL House avant. Ouais. Là, t'as rebougé, je sais pas si c'est à public Bordeaux. Ou quoi. À Bordeaux maintenant, ouais, à Bordeaux. Et pourquoi ce choix ? Parce que t'avais envie justement de. En fait. Bonne fibre. Bonne fibre, après je sors pas, donc on s'en fout. Premièrement, la fibre, et c'est vrai que je sors pas, donc ça veut dire. La ville de Bordeaux est cool, mais c'est pas la ville de l'année, tu vois. Ça a l'air pas mal. Désolé, Bordeaux, d'ailleurs. Moi, j'y suis allé, j'ai vraiment kiffé. J'ai vécu un an, c'est bien. La ville est sympa. La ville est sympa, mais je préfère. Tu vois, si jamais je devais choisir la ville, j'aurais dit Montpellier. Pour moi, c'est une très bonne ville. Non. Et pourquoi, du coup, t'es pas allé à Montpellier ? Parce qu'il y a des trucs. Parce que je dois souvent aller à Paris. Et le TGV. Ah, c'est 2 heures Bordeaux-Paris. Le TGV, c'est broken. Oui, alors que de Montpellier, t'aurais hurlé. Hein, parce que nous, quand on va au event, frère, j'embrasse ma fille, je reviens, elle a 18 ans. Pourquoi ? En vrai, ça va, c'est 2 heures. Non, c'est 3h30. Non, 3h30, mais quand il y a un sanglier sur la voie, bon, après. Ouais, ça arrive souvent. Donc là, en vrai, c'était pour ça, je voulais rester dans le sud. Parce que moi, j'aime trop le sud. Même si Bordeaux, en vrai, c'est pas trop le sud, mais. Ouais, c'est pas Perpignan, mais bon. Oui, c'est pas. Mais quand tu viens du sud, je comprends ce qu'il veut. Oui, quand tu viens du sud, c'est pas le sud. Ok, je vois. Mais ouais, non, pour le TGV, et en vrai, j'ai trouvé des locaux là-bas qui étaient pas trop chers pour la télé qu'ils font et tout. Et en vrai, j'ai
coup de cœur de fou sur les locaux, je les ai pris direct. Et du coup, c'est à Bordeaux maintenant. Ouais, c'est à Bordeaux. Métro. Bonne fibre. on y revient. Très bonne fibre. Le centre-ville, il est sympa aussi. En vrai, j'ai un giga, c'est directement. Gigi, t'aurais une ville, toi, Gigi Ben moi, dernièrement, alors l'an dernier, j'ai visité Annecy. Et je suis tombé amoureux d'Annecy. C'est exceptionnel, Annecy. Mais c'est la ville de l'année. Exceptionnel. Mais pour moi, oui. C'est la ville. Alors, c'était la ville de l'année l'an dernier. C'est Angers maintenant. Mais non, mais vraiment, c'est pas une vanne. Et je me suis régalé. Je trouve ça magnifique. Je trouve que les gens qui ont la chance d'habiter à Annecy ont vraiment beaucoup de chance et surtout beaucoup d'argent. Oui. Mais vraiment, c'est. Ça a l'air cher là-bas. C'est très cher. On est arrivé, on a dit waouh, incroyable. On a regardé un peu les prices. Annecy. Ça reste un montant. On n'a pas le budget pour l'instant. Annecy et la Haute-Savoie. Mais en fait, ça biaise parce que les gens ils vont travailler en Suisse là-bas et après ils reviennent à Annecy. Ah oui, non, mais surtout ils vont là-bas parce que c'est cool, tu vois. Genre, en gros, t'as la montagne, t'es pas hyper loin non plus. Moi, je l'école, de Provence, etc. Ouais. Machin, le truc. T'es bien positionné en France, tu vois. Gros, fin de carrière, je me prends une maison à Annecy. T'es royal au bar. La fibre, qui est la fibre. La fibre, mais il y aura la fibre. Vraiment, c'est qu'une maison au bord du lac d'Annecy. Mais c'est le confin du bonheur. Hein. Tu sais, quand tu prends un c'est le confin du crédit aussi, hein, je pense. Parce que... quand tu prends une sorte de petit bateau pour aller au milieu du lac et que tu les vois de loin comme ça, là, en train de siroter un prosecco, t'es là. Moi, je suis allé me baigner dans le lac et tout, je voyais les gens, tout le monde était heureux. Non, mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Ah, mais j'ai eu un coup de cœur, c'était fabuleux. Tu es encore qui est pas allé, genre au mois de décembre, février? Non, j'y suis allé en été, ouais. Vraiment, quand il y a la neige. Mais il y avait des petits endroits où tu pouvais boire des chocolats chauds juste au pied de la montagne et tout. Ça doit être vraiment incroyable. Ouais, incroyable. Tous les gens comme de la petite montagne en plus, donc c'est beaucoup de sportifs et tout, c'est ça, parce que tu peux tout faire. J'avoue que ça a des bons choix. Bordeaux, nouvelle maison. Mon cher Tommy, c'est vrai que moi j'étais déjà merci d'être venu en vrai dans Popcorn parce que c'est cool. La dernière fois que tu étais venu, ça devait dater d'il y a un an et demi. Un an. Un truc comme ça. Et en vrai, je me suis dit, putain, mais ça fait longtemps. Tommy, c'est vrai qu'il y a eu un moment, donc fin de GL House, reconstruction. Tu as fait tes trucs un peu dans ton coin. On te voit quand même solo tout le temps, sauf que tu es tout le temps à 20 000 viewers. Tu as quand même fait justement donc, le sub-bâton où tu as fini à 58 000 subs. Ce qui est en vrai énorme quand même, hein. c'est monstrueux. C'est dingue. J'étais curieux un peu de comment ça s'est passé tout ça, parce que j'imagine tourner la page déjà à la GL House, ça a été énorme, parce que ça a quand même été un collectif que tu as créé, tu as amené des gens, tu as essayé de les faire monter et tout. Comment tout ça s'est passé En fait, ça s'est fait un petit peu naturellement, je t'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Ça veut dire qu'il y a eu la GL House, elle s'est terminée, et moi j'avais envie de partir, et en fait, j'avais déjà cet entourage de gens qui étaient proches de moi, mais que j'allais faire passer en second plan, tu vois, ou pas en priorité en tout cas, puisqu'il y avait déjà les gens de la GLA où ça faire passer en premier. Parce que là les gens avec qui justement t'as pris les locaux qu'on voit. Les gens que je connais de longue date. Okay. Ah d'accord, c'est des potes à toi depuis longtemps. Ça fait longtemps, tu vois, mais en général, ce que je disais un petit peu, c'est que si jamais j'allais faire une flex, d'abord j'allais proposer aux gens de la GLA où tu vois. D'accord, alors comme maintenant, c'est vraiment. Et en fait, voilà, de manière naturelle, en fait, il y a tout le monde qui est un petit peu revenu et qui. En fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Naturellement, et puis même le sub-bâton, ça s'est fait sur un coup de tête. Ils étaient là, j'ai dit bah vas-y, je lance un sub-bâton. Ils m'ont dit ok, et là, non, ça se passe bien, c'est cool. Alhamdulillah. je sais pas comment conclure. C'est une bonne conclusion. La meilleure des manières, parce que là, du coup, t'as repris tes locaux. C'est vrai que moi, je savais pas. J'ai eu un peu ce truc de me dire putain, je te suis un peu de loin. À chaque fois, je vois ce que tu fais. C'est vrai que pas mal de GTA. Est-ce que t'es. Question n'est pas bonne, c'est pas est-ce que t'es dépendant de GTA, tu vois, mais c'est vrai, est-ce que t'as besoin de GTA ou en même temps, j'ai l'impression que peu importe le jeu, peu importe l'heure, de temps en temps, je te vois à 15K sur Valo, à 3h du mat, dans je suis en mode, en fait, ça se passe quand même bien. En général, j'en fais de moins en moins de GTA, mais en termes de temps, le truc c'est que GTA, là, ce qui est dur, c'est qu'il faut que tu sois actif régulièrement, parce que sinon, tu loupes un soir, il s'est passé 1000 actions et ça y est, t'es terminé, t'es dépassé. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je vais y jouer 2-3 heures et après, je pars vraiment en ce moment-là, l'arc qu'on a. Il va y avoir la ZLAN dans la combat train. Et sinon, c'est vraiment custom Valorant LOL. On se met à 10 et on se tape sur la gueule, on s'insulte toute la soirée. Comme je t'ai dit, en plus, on peut se parler quand on fait des custom, on peut parler aux ennemis. C'est trop bien qu'on joue, tu vois. On peut se play et tout. Donc, moi, vraiment, non, là, je suis avec mes potes, on se détend. Des fois, on se pose le soir, on se dit, on fait quoi et on fait. Ok, donc t'as toujours du GTA en mode. GTA, moi, c'est parce que c'est mon serveur. C'est mon serveur, donc forcément, il faut aussi que je l'alimente, tu vois, même si jamais il n'y a rien à vivre aussi. Enfin, toi, ton perso ou ce genre de choses. En fait, le truc, c'est que, putain, vous êtes en dehors de GTA, donc c'est un petit peu dur, tu vois, vous faire comprendre. Mais c'est vrai que c'est un game. C'est un monde. De temps en temps, même, ça a l'air un peu secte. C'est un monde, mais justement, c'est que en gros, avant, on avait chaque. Il y avait un petit peu. En fait, il y a plein de serveurs différents, tu vois, et ça veut dire que là, le serveur qu'on a construit avec le staff, parce que c'est pas que moi, mais en gros, le serveur qu'on a construit avec le staff, maintenant, il est vraiment à l'image de ce qu'on voulait avoir. Ça veut dire que si jamais il y a un truc qui va nous lasser sur GTA, un truc qu'on va plus aimer. On l'enlève, on le modifie, on rajoute des trucs, ça veut dire que on prolonge la boucle. Ouais, on n'est pas tout modulé, quoi. Tu peux on n'est pas dépendant d'un mec qui va dire ok, ça on le laisse, ça on le garde. Ou là vraiment on fait ce qu'on veut
Et c'est, ça rend le truc, que ça rend le truc trop bien et ça se renouvelle trop bien en fait, à chaque fois. Bon, du coup, t'es à ton prime sur GTA. Tu me régales, vraiment, je me régale, ouais, c'est trop bien. Et là, par exemple, ta Ravière, par exemple, ça fait longtemps ce perso, genre que tu l'as ? Non, ça fait un mois. C'est quoi, ouais, tous les deux mois, ouais. Ça change à peu près, t'as une nouvelle histoire, t'as un nouveau truc et tout. Ça dépend, si jamais j'ai un perso, il peut durer 6 mois, des fois il va durer 2 mois. Okay. Ça dépend vraiment, j'en ai fait qui ont duré 1 an. C'est Lim. C'est... Hey, oh là, il a suivi, monsieur. Et genre, non, mais... Pardon, et genre les initiatives, genre comme School RP, ces trucs à ça, machin, t'aimes bien, t'aurais aimé y être, toi, c'est quoi le bail? Ben, moi, School, j'ai pas trop aimé, je pense que si jamais ça aurait pu se faire, en vrai, je sais pas, je me suis jamais posé la question. T'avoue, je me suis jamais posé la question, mais après, c'est différent. C'est vraiment deux mondes qui sont différents, c'est les gens, ils aimaient bien comparer et tout, mais en vrai, School RP, c'est... un truc dans une école où ben voilà, il y a pas de Kalachnikov, il y a pas de quoi. Il y a pas ce que tu veux dire. C'est pas pareil, t'as pas le permis, tu peux pas conduire et tout, donc c'est vraiment deux mondes différents. Non, moi j'ai mon serveur, je suis bien, je pense que je veux le faire avancer et ça se passe bien. Ouais, parfait. Bah écoute, honnêtement, ouais, c'est clean parce qu'à côté de tout ça, donc on le disait là, il y a les locaux et tout, il y a Job Life, donc ouais. Team eSport, où c'est vrai que t'avais lancé sur LoL. Maintenant donc t'as LoL en Div 2. Ouais. Plus du coup Valorant, Valorant en quoi? VRL. Bien sûr, VRL, nouveau split, 4-0, ça commence plutôt bien. Il m'a amené pour commenter. Donc, il a tout si tu veux. Quel joueur, j'ai pas de ref. bien sûr, Yayaz. Yayax. Tu étais presque. J'ai commenté, il y a Yayaz. Le match était hyper clos, j'ai oublié entre temps. Mais comment ça se passe un peu tout ça justement? Parce que c'est vrai qu'à un moment, il y a pas mal de gens qui avaient dit, putain, on comprend pas trop pourquoi tu t'es foutu sur LoL. Ce truc là où non mais c'est vrai, c'est beaucoup ce que je voyais de bah pourquoi Tommy en fait il va ouvrir une team LOL etc. Malgré tout t'as persévéré parce que ça demande quand même du temps de l'investissement global parce que c'est quand même pas mal de coups. Là t'es content de là où t'en es justement? C'est bien. L'année dernière c'était un petit peu difficile sur LOL et tout, comme on est arrivé, je pense qu'on avait un petit peu du mal à trouver aussi notre identité et ce qu'on voulait proposer. Là on est bien, on a une équipe LOL de je me répète. En fait, j'ai l'impression de me répéter parce qu'on a stream ensemble, mais c'est vrai qu'il faut que je pense aux viewers de ici. Mais merci pour eux. Ça part. Désolé. Pense à vous, les gars. Un grand prince, comme vous pouvez voir. Mais non, en gros, là on a pris une équipe avec 5 joueurs qui sont super talentueux individuellement, qui ont des pics vraiment à eux, sur l'eau, je te parle. Et ils détruisent tout. Vu qu'ils sont trop forts, en fait, ça passe. Ça veut dire qu'on va pas forcément jouer la méta, on va pas forcément jouer les trucs habituels qu'on pourrait voir et tout. Je pense que les joueurs, ils acceptent de se dire, ouais, voilà, on n'est pas en LEC, on va arrêter de faire les acteurs, tu vois, on est en Div 2. Et ça marche bien. Ça marche bien. Donc chacun prend ses persos. C'est pour ça qu'on voit des Rek'Sai, on voit des Taric, des Singed, des trucs un petit peu extravagants et tout. Et là, on a fait top 4 sur LoL. Et là, sur Valorant, donc du coup, c'est notre première année. Moi, j'ai été piqué de Valorant cette année. Franchement, j'ai trop kiffé. En plus, de base, je suis un joueur de Counter-Strike. Ouais. J'aimais trop, j'ai commencé Twitch grâce à Counter-Strike. Et là, Valorant, c'est arrivé, c'est une claque, c'est fait par Riot, donc forcément la connexion elle est rapide. Et Valo, c'est quoi votre niveau, la ligue, tu vois? Est-ce que c'est l'équivalent de LFL. C'est, LFL. D'accord, ok, donc c'est LFL, le haut ouais, rang. Ouais, ouais, ouais. Donc stylé en vrai. Ouais. Il y a combien d'équipes en LFL? Il y en a 10 ou 8. En gros, si tu veux, Gigi ouais. sur Valorant. Donc, je ne suis pas du tout Valorant. T'as la VCT, ouais, du coup, qui est le niveau européen. Donc, LEC. Il y a K-Corp et Vita. Vita, ouais, c'est Vita ça. Team Liquid, tout ça, machin. Et t'as genre les Game Changers. Donc là, c'est une nouvelle ligue, qui est la ligue féminine sur Valorant. Okay. Et ensuite, t'as donc VCT, qui est la ligue française, où il y a Solari, Mandatory. Il y a Mandatory, d'accord. VRL, putain, excusez-moi. Pas de soucis, mec. Non, mais il y a tellement de VCT. Non, mais je parle de LEC. non, mais c'est vrai que tous les acronymes n'aident pas forcément. Mais c'est quoi l'objectif, entre guillemets, si toi t'as un rêve là-dessus, c'est quoi le but? Est-ce que c'est forcément d'aller péter un peu tous les plafonds? Parce que tu le vois, bon, bah, un mec comme Kamel, il avait un positionnement de ok, vas-y, on veut tout niquer, on va aller sur tous les jeux. Un mec comme Zera, par exemple, c'était intéressant de dire, bah, en fait, moi, c'est plus le côté formation, régional, où je vais pas aller mettre des thunes de fou et être à perte, mais plus essayer de créer un truc à l'équilibre. Toi, bah, tu me disais juste avant, quand on commentait que. T'as plus de sponsors là, mais que du coup, bah, grâce au sub-bâton, grâce à tout ça, blindé, ouais. Tu peux ouais, investir ouais. Dans ton équipe. C'est clair que si t'étais en LEC, bon, bah, on se parle de 25 millions à mettre. Oui, bon, ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est quoi ton objectif avec l'e-sport, nous, toi? Job Life, tu veux l'emmener où? Nous, c'est vraiment, on fait ce qu'on peut, et si on peut le faire, on va le faire. Okay. Tu vois, ça veut dire, nous, on va essayer de faire le meilleur possible avec les moyens qu'on a, parce que forcément, on n'a pas les moyens d'une structure multimillionnaire, tu vois. Donc, on fait un petit peu ce qu'on peut, et si jamais on peut aller le plus loin possible avec ce qu'on a, eh ben, on va y aller. Ok.
Est-ce que c'est pas l'objectif de montrer ce que vous êtes capable de faire pour aller décrocher peut-être des entre guillemets des sponsors, etc. Et pour grind, si tu peux le faire, tu le feras, quoi. C'est ça ou pas forcément? Franchement, moi perso, je pense pas comme ça. Il y a des gens qui sont là pour gérer okay. la partie business, sponsor et tout, tu vois. Moi vraiment, ce que je veux, c'est que l'équipe elle soit le mieux dans les, possible, dans les meilleures conditions possibles. Si je dois mettre la main à la poche, eh ben on va mettre la main à la poche. Tant pis, tu vois. C'est pas les sponsors qui vont ralentir si jamais l'équipe elle doit avancer ou quoi. C'est ça. Tu veux que ton équipe soit le mieux moi, possible. Je leur donne les conditions. On va recruter les bons coachs, on va recruter le bon staff et go. Il y a des équipes, elles galèrent avec genre simplement des sponsors et les coûts que ça a. Genre vous avez genre une vision, une stratégie, tu sais, que ce soit genre le contenu ou alors de vendre des produits ou de faire des machins, tu sais, les équipes qui en général ont réussi à s'en sortir un peu financièrement, soit elles ont du merch, soit elles vendent des choses supplémentaires, soit elles ont des trucs, tu vois. Parce que ça coûte une blinde. On le sait que l'e-sport ça coûte une blinde. Ah bah ouais. En fait, j'ai pas envie de commencer à me hâter à aller prendre des sponsors que oui, que j'ai, qui ne correspondent pas. Voilà, qui vont pas correspondre à la communauté ou quoi. Donc pour l'instant, j'ai de la chance, j'ai une communauté de zinzin. Là, on a battu le record de subs et même de manière générale, je suis tout le temps entre 17 et 18 000 subs, ce qui est vraiment énorme. Ouais. Donc ça me permet de pouvoir payer mes locaux et à la fois de pouvoir payer. C'est cool que tu réinvestisses là-dedans. Bah ouais, clairement. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, le but, c'est pas de rouler en Porsche. Il y en a, ça aurait été leur but. T'as le droit, non, mais ils ont le droit. Non, la maison à Annecy, elle va pas se faire toute seule. Non, mais là, j'estime qu'on a le temps. J'estime que je suis encore dans une période assez forte de ma carrière, tu vois. Donc, je pense que t'as envie de kiffer aussi. J'ai envie de construire un truc qui vraiment, vraiment qui va nous ressembler et qu'on va pouvoir porter loin. Ouais, t'as raison. Non, c'est très, très bon. C'est trop cool. Et du coup. Et toi, Domingo, c'est quand? Non, mais moi, honnêtement, il n'y a pas de. Si, t'avais annoncé, non, un peu sur Twitter. J'avais réussi à faire fait son petit bouquin. Écoute, Domingo, il est non, non, mais c'est vrai que non, moi, j'aime bien suivre. Tu vois, tout à l'heure, j'ai commenté et tout, mais c'est vrai que je le disais, l'e-sport, c'est un truc où, en effet, alors, faut y aller. Il y a peu de business model où tu peux t'en sortir. Donc, tu sais que si tu te lances, tu vas être dans tu te lances à 100% et sur les 10-15 prochaines années de ta vie. Donc, c'est pas juste un petit kiff de dire, oh, bah tiens, vas-y, je vais lancer une team, parce que il y a des humains aussi, quoi. Donc, potentiellement, tu recrutes un petit crack, tu le mets dans de mauvaises conditions. Il dégoûte. Dead. Bah ouais. Donc, non, je trouve que t'as une bonne vision d'essayer de donner le max. Tes locaux, là, du coup, que t'as pris à Bordeaux, t'es seul dedans, t'as d'autres streamers. Est-ce que ça va refaire un truc à la JL House ou alors c'est quoi le, pas du c'est tout. Pas le plan? On veut pas partir sur un délire de JL House. En gros, de base, il y a Fake et moi. Ok. Ok. Ton acolyte de toujours, Fake. Mon acolyte de toujours depuis des années. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait plein de petits bureaux. Ça veut dire que, imagine. Toi, tu veux venir, tu veux streamer pendant une semaine, et tu viens en local, tu prends ton ordi, tu streams pendant une semaine. Par contre, à la fin, tu rentres chez toi. Tu vois c'est pas que tu restes. C'est clair, au moins, un connard, t'as entendu. Non. Je souhaite pas. Hein. Non, si jamais, là, t'es si jamais, là, parce que là, tu fais le beau, là, avec ton émission. Mais en gros, voilà, c'est pas. Déjà, personne dort au local, tu vois, c'est une règle que j'ai voulu mettre de base, parce que vraiment, je voulais pas que ça refasse comme la JL House. Je pense qu'on a appris de nos erreurs aussi, de ce qui est. Ouais, professionnalisation, ça va être le boulot. Parce que tout le temps ensemble, jour et nuit, au bout d'un moment, là, c'est le boulot, ça veut dire que, voilà, régulièrement, par exemple, il va y avoir des potes à Rice, Tonton Galsen, Aurélian, Reus, peu importe, ils vont venir. Aenote, parce que si je cite pas Aenote, il va me gronder. Voilà, c'est le loco au tout début, avant qu'on fasse les travaux. Donc du coup, chacun, ils ont leur petit bureau et ils peuvent venir, ils restent, ils repartent. Voilà, okay. Ça te fait un lieu justement où tu peux faire plein de choses. Et à l'époque, justement, tu faisais samedi canap et tout. Est-ce que tu as envie de faire des gros trucs? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un peu cette sensation, et je suis content que tu sois là aussi pour ça, parce que de un peu, t'es isolé, tu vois. Enfin, pas t'es isolé, mais t'es avec tes potes, t'es dans ton truc. Alors après, il n'y a pas besoin forcément de faire le délire qu'on voit sur YouTube, Fit and Fun à tout prix, ou t'es obligé de faire des collabs pour être le mec cool. Hein. Mais est-ce que tu as envie justement de faire plus de crossover, ce genre de choses? Peut-être plus même d'émissions. J'ai vu que tu avais relancé un truc là en direct de tes bureaux. Anti-cancre. Ouais, ça, mais des trucs sans que ça soit une dinguerie en mode production de fou. Ça n'a jamais été moi de faire des grosses émissions, tu vois, un petit peu comme un mini-fait ou quoi. Moi, c'est pas trop ma cam. Moi, ce que j'aime, c'est être devant mon PC et faire ce que j'aurais fait si j'étais hors live. Tu vois, je pense que si jamais j'étais hors live, je jouerais à GTA, puis après je jouerais à Valorant, puis après je jouerais à LoL. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, en vrai, c'est ce que j'aime bien faire. Je sais qu'il y a une demande des gens, parce que c'est un petit peu la méta sur Twitch maintenant, de faire des big projets, au moins une fois de temps en temps. Donc là, on a recommencé à build un petit peu les locaux. On a fait une pièce avec les locaux où on va pouvoir faire des émissions et tout. On a refait la brigade anti-cancre, qui est même pas mon émission à moi, qui de base est l'émission de Kada, qu'il a fait sur ma chaîne pour voir un petit peu comment ça rendait niveau régie, qu'on se remette un petit peu dans le bain, parce que c'est pas. Réinstaller du matériel, refaire une petite, un édito, un machin et tout. Exactement, voilà. Il faut recommencer à lancer la machine, mais non. Sinon, moi, niveau crossover, c'est très bien. C'est vrai. J'ai un petit peu du mal à aller vers les gens, tu le sais en plus, même toi. On se tourne autour, toi. Oui, tu vois, c'est pas trop. Une fois qu'on est en bleu sang, tu vois, je vais te proposer mille trucs. Mais sinon, j'ai pas le réflexe d'aller envoyer un message ou de dire ouais, exactement. Oh frère, j'ai pensé à un truc. Alors qu'en vrai, je suis chaud de plein de trucs, tu vois, mais c'est vrai que j'ai un petit peu ce truc où je me dis,
Ah si, ça se trouve, il va le prendre mal, tu vois. Ça se trouve, ouais, il veut me gratter, ça se trouve ceci, ça se trouve cela. Ah, après, tu vois, genre, je sais pas, de temps en temps, juste proposer quelque chose, c'est pas toujours c'est vrai, négatif. Genre, regarde, typiquement, si quelqu'un te propose un truc, toi, est-ce que tu dis direct, ouah, c'est un putain de gratteur? C'est un gratteur direct. Non, même pas. Une proposition popcorn, par exemple. Il a dit, t'as, il gratte mon beurre. Tu veux gratter mon beurre, Domingo? D'ailleurs, c'est bizarre, il y a que les subtiers 3 qui sont activés ce soir. N'en parlons pas, n'en parlons pas. Je pense que tu pèses le pour, le contre, et tu vas ou tu vas pas. Mais tu te dis pas directement, ouah, c'est un putain de gratteur. Du coup, à l'inverse, faut pas que tu dises que si toi tu proposes quelque chose, la personne en face va forcément se dire ça. Parce que si la personne se dit ça, c'est peut-être qu'elle est sacrément conne. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu bien dit, papy. Non, non, mais après. Je vais proposer à Gigi. Voilà. Il m'a proposé, mais frère. Il y, a peut-être aussi un peu ce truc de. C'est clair que quand bah, du coup tu fais GTA, Valo ou LOL, t'as pas non plus 20 000 trucs à proposer. Tu peux faire une custom, mais t'es en mode. Genre Gigi, par exemple, qui joue pas trop à Valo ou quoi, si vous voulez faire un truc ensemble. Mais par d'attraction, avec plaisir. Mais ouais, gars, je passe te chercher, on y va, on se fait tout ça. Mais moi, c'est pour gratter, par contre. Tu fais bien, mon pote. Non, mais Tommy, tu sais que de temps en temps, proposer des choses, ça part de rien. Gigi, je t'ai proposé quoi hier? Hier, on parlait de ce qu'il m'a proposé ou pas. Hier, il crée une conv, c'était la conv de l'année apparemment pour lui. Il est en mode, viens, on fait un live et on note les calvicies des gens. Voilà les gars, donc notez-le, ça va peut-être arriver. Ouais, c'est solide. Hein, c'est, après nous, on peut parler. Zach a toujours des bons concepts comme ça. Mais c'est des bêtes de concepts. De temps en temps, ça part de rien. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Vous avez le pass, hein, les gars. On est à même de dire si tu dois aller en Turquie, si faut raser, si t'as encore un peu les docteurs. Exactement. Toi, tu caches bien. Je cache un peu les golfs. Tu caches ça fort. Tu caches ça fort parce que t'as ça, tu sais, plaqué sur le. Mais c'est que pour popcorn dans la maison, sinon je les tire en arrière, ils le savent, ils connaissent bien ma salle. Très bien. Ça m'appelle Végéta, frérot. Ça va, c'est propre. Au bout d'un moment, faut lâcher ça. Mais non, mais sinon. T'as une belle barbe. Oui, c'est vrai, merci. Toi aussi, t'as une belle barbe. Oh là là. Bah les gars, on va vous laisser. Je vois que les crossovers se font. Pour conclure, en vrai, c'est vrai, il faudrait que je le fasse, mais après, c'est dans mon caractère. J'ai toujours été un petit peu comme ça, même hors live et tout, même avec les humains en dehors du stream, tu vois. Et c'est vrai que j'ai du mal à être associabilisé. Ouais, entreprenant. Ouais. Mais une fois que j'y suis, après, une fois que t'es mon gars, oui, t'es mon gars. En fait, tu vas pas aller vers les gens, mais une fois que t'es dans un groupe, qu'il y a des gens qui discutent, etc., t'auras aucun mal à te ouais, voilà, à lâcher. Ouais, non, mais exactement, je vois le... ouais. Non, mais c'est un travail sur moi-même qu'il faut que je fasse, ouais. En tout cas, il est 20h39 déjà, si vous voulez. Mais sinon, non, mais c'est vrai que t'as l'air. T'as l'air bien, t'as l'air en place. Ça me fait plaisir du coup de te voir un peu épanoui, d'avoir pu voilà, rebondir de tous les trucs et désormais pouvoir un peu proposer ton contenu. Merci Domingo, ça me fait plaisir. Non, mais voilà. Je change un petit peu de la DA de Popcorn, c'est sympa. Léger, hein, par rapport. Il y a des écritures en diagonale et tout là. Ah, ça oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a l'œil, hein. Donc, hein, c'est. Ça permet de voir le chemin accompli. 41 ici, bon, encore mieux si jamais. La MIF, je vous propose tranquillement. Mais non. Mais si, ça va être assez fou, c'est assez rare. En plus, ça va être un rewind de Twitch. C'est nul. Je vais lancer. L'exclu. Comme ça. Nouveau, toi. Ça vient d'arriver, vous allez voir, vous allez le prendre pleine gueule. Je peux pas mieux vous le présenter. Rewind de Twitch et on se retrouve juste après, à tout de suite. Bonsoir chers amis spectateurs de Popcorn, j'espère que vous avez passé un bon et long week-end Pascal en attendant votre rewind de Twitch. La semaine dernière, c'était la grande soirée Outplay chez Gotha en compagnie de Lena et Yvick, qui, je le rappelle, est peut-être l'homme le plus drôle de France, mais peut-être pas le plus malin. C'est Lena qui t'a fait tourner, je suis sûr que c'est pas Yvick, c'est pas moi. Ok. Allez, prêt à lancer, Gotha. Ah, c'est en arrière que tu tires? Donc on la dive pas. Mais non. Elle t'a pranké alors qu'elle est dans ton équipe. Ah mince, fallait pas le dire. Bon bah ça y est, c'est moi. Non, c'était Brain, j'ai fait semblant que t'étais derrière. Non. Mais là, vous mettez pas ses points. J'ai pas fait exprès. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous jurez que là, je suis dans le bon sens? Oui, Gotha. Attends, t'es pas sur la ligne? Ok, je te fais totalement confiance, Léna. Mais t'es bâtard, pourquoi vous faites ça? Mais attends, mais preuve. Attends, recule-toi. Là, il va lancer dans le mur, ça va juste faire un trou. Ça y est, c'était rigolo. Une fois, pas deux. Merci, voilà, c'est terminé. On va tester. Non, retourne. Ma daronne, j'ai parlé comme ma daronne, je suis en vue, je suis désolé. Avec l'ennemi de la culture, on le sait, Étoile donne envie à beaucoup de monde de participer à Question pour un champion, mais à ce rythme-là, on aura tous eu le temps d'y être allé avant lui. Bien joué, Samuel, c'est mérité. Alors c'est drôle parce que Étoile a décidé plein de viewers à venir jouer, mais toujours... Oh, sale chien, Samuel! Pas devant 2 millions de téléspectateurs! C'est bon, c'est trop, c'est... C'est trop, laissez-moi tranquille, j'ai Asylan à faire. Parce que je crois qu'il aime trop ce jeu et donc... Ouais, c'est exactement ça, ouais.
C'est le fait de trop aimer ce jeu. Il repousse les mains. Après, je peux comprendre, hein. Tu es peut-être trop occupé à casser des PB sur Minecraft quand d'autres découvrent le jeu en Big 2023 comme Marex. C'est quoi ça dans l'eau? Vas-y, je vais voir. Non, je rigole. Putain. J'ai pris midlife. C'est quoi qui m'a mis midlife? Non, mais attends, les gars, qu'est-ce qui m'a mis midlife? C'est quoi ce golem? Et puis y'a pas de mal à découvrir des jeux plusieurs années après leur sortie. Le King de Valorant, j'ai nommé Akitio, s'est justement dit que c'était le bon moment pour découvrir comment ça se passe sur CSGO. Il est pépé maintenant. Nice arm. Incroyable. Attends, mais j'ai tapé mon meilleur rush derrière un mec, il a rien entendu, il attendait à l'AK. Mais c'est une vie de fou. Et pouc. Oh merde. Mais il a perdu le round, putain. Oh non. Oh là là. Attends, mais mate, t'as pas envie de faire ça sur les ennemis plutôt que sur les mates, frère. Retour à l'école sur GTA avec l'ouverture du serveur School RP. On va pas se mentir, hein, plus de détraqués que d'élèves dans cette école, mais des cours de qualité et beaucoup de moyens mis en place par le prof de langue pour nous faire apprendre le japonais. Je suis le vrai Brook. Luffy-san. Oui, c'est ça. Gardez bien ça lors de votre passage. Allez, attention, c'est parti. Yo, Subarashi desu ne. Ah. Kanbawa. Nokatito naze de oyasumi nasai. Wakatta zo. Brook sama. Iya desu ne. Arigato ne. Subarashi. Luffy-san. Bon, super. Bon, Ami, t'étais parfait. Merci, Ami, monsieur le professeur. Oula, je suis vraiment navré. J'ai oublié de souhaiter un bon anniversaire de stream à Bagheera la semaine dernière. En même temps, elle aussi a l'air d'oublier ses amis quand il s'agit de faire la fête. Elle a oublié d'inviter AlphaCast ce soir. Et en plus de ça, j'oublie de l'inviter. Et Horty le croise en ville et lui dit « Ah bah, on se voit ce soir !» Petit malaise, hein, pour... Mais à plus, Alpha, il a fait vraiment... « Non, mais j'ai déjà un truc ce soir, de toute façon, ne vous inquiétez pas. » Il n'y a pas de problème, j'avais un autre anniversaire de stream. Non. Bah oui, il était justement trop occupé à se faire peur tout seul sur le remake de Resident Evil 4. Oh non. Oh putain. Oh attends. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Ah, il m'a fait peur ce con. Il m'a fait peur, c'était juste moi. Pas besoin de jeu, hein, pour se faire peur. Parfois, il suffit juste qu'un viewer s'y mette en envoyant une alerte digne des timings les plus légendaires. Le bidon d'essence. C'est bien parce que tu sais quoi? Et où c'est qu'il le met son bidon d'essence? Tu vois, alors on a une mallette. Ok, d'accord, bon, encore la mallette, je veux bien. Mais par contre, le bidon d'essence, il se le met où? Le choper, hein. Allez, on passe chez Thomas et Fake qui s'installent bien confortablement, histoire d'avoir une vue imprenable sur le gameplay d'Outer Wilds, et en toute discrétion, bien sûr. Ça fait combien de temps que t'es là? Quand on est l'un des meilleurs joueurs Rocket League de France, on se doit d'avoir la meilleure vision de jeu, même si habituellement c'est sur League of Legends que j'ai l'habitude de voir ce genre de gang de ringards. Voilà. Oh, je le savais. Eh oh. Non. Eh oh. Eh. Ah putain. Eh oh. Me parlez pas, s'il vous plaît. Quel week-end pour la casser entre les qualifications de la team Valorant au main event des Game Changers, le top 2 de Kurama sur Smash à la DreamHack. Il ne manquait plus qu'une grosse performance des joueurs Rocket League. Je vous laisse avec ces belles images et je vous dis à la semaine prochaine. Ok, on est au top. Putain, c'est open! C'est open! C'est open! C'est open! C'est open! 5 secondes. 5 secondes. Pas de kick-off goal. They'll try to bring this to ground as quickly as they can. Exotic, the last touch. Let's go! Let's go! Let's go! On est champion! On a gagné notre premier major!
Des images qui font plaisir pour la casser, clairement, avec le Major San Diego, tu disais, Zach. Ouais, c'est ça, San Diego, ouais. Honnêtement, j'avoue, ça régale, pardon, pour casser, tout simplement. Toujours un peu plus loin. Très heureux. Toujours plus loin, les frérots. Vous avez sûrement remarqué qu'on a un nouveau sponsor, un nouveau partenaire à partir d'aujourd'hui. C'est Shopify. C'est un nouveau partenaire sur sponsor. Bonjour. Partenaire sur sponsor. C'est les nouvelles lois, excusez-moi. Du coup, Shopify qui est désormais partenaire de Popcorn, pardon, mais qu'on utilise depuis le début, notamment sur la boutique, boutiquepopcorn.fr, puisque vous allez voir juste après une petite surprise, oh là un là. Nouveau drop. Si vous ne savez pas en gros ce que c'est Shopify, c'est un outil en gros de commerce, c'est tout en un, qui vous permet, si vous voulez vendre des produits, c'est en vrai le meilleur truc hein, dans le domaine, donc on est très content qu'ils nous sponsorisent. Si vous avez zéro connaissance ou quoi, vous pouvez vendre des produits en ligne. Ça régale, et nous, c'est vrai qu'on s'en sert depuis le début, donc on est bien content qu'ils nous sponsorisent. Et les amis, je vous parlais d'un nouveau drop, c'est pas qu'un drop, c'est pas une aventure que Merchman a vécu. A new drop. La légende dit qu'un œuf d'or, gardé dans un écrin mystérieux, a été dérobé il y a des siècles. Quiconque mettra la main dessus se verra remettre la plus merveilleuse des récompenses. Cette fois, c'est la bonne. Eh ben, c'était moyenne. Non. Si près du but. Attends, mais... Et l'œuf ? Il est où ? Non. C'est pas possible ! Non ! Non ! Encore raté. Mais peut-être qu'un autre pourra le trouver. Mais qui voyons-nous ? Oh, il est de retour de l'expédition ! Oh non, c'est... Oh, mais on sent qu'il a souffert, en plus ! C'est dans la glojin. Oh là, là. Comment ça attends, va ? Excuse-moi, t'es à poil en dessous ? J'allais dire, il est à poil en dessous ! Il fait trop chaud, je suis tout seul. Je suis vraiment à poil, frérot. Il est vraiment à poil. Ici, il fait très froid. C'est... Repars en paix, repars merci, en paix. Merci, je vous laisse avec les amis, bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. C'est vous. Attends, mais il est vraiment à poil, en plus. J'ai vu un plan téton sur le coin de la cale. J'étais en mode, putain. Non, mais l'équipe qui s'est donnée, du coup, avec une nouvelle boîte Popcorn à la recherche de l'œuf perdu. Tout simplement un nouveau drop, vous avez pu le comprendre justement, donc voilà, avec un nouveau t-shirt justement qui est dispo, que vous allez voir aussi sur le site si jamais, ou bah voilà, on a fait un petit peu un ticket d'or si vous aviez pas compris, ou parmi les boîtes qui sont précommandables, donc du coup il y a 72 heures je crois de précommande, ensuite ça sera plus possible de la précommander, et parmi justement dans toutes ces boîtes, il y aura un œuf d'or où vous avez 150€ de bons d'achat sur la boutique, et surtout de pouvoir venir avec un plus un, venir voir un peu les coulisses de Popcorn, etc., assister à une émission, genre dans les coulisses, dans les backstage, si vous voulez. Donc, 12 heures pour acheter leur truc et avoir l'œuf d'or, c'est bien ça. En gros, dans une des boîtes, c'est pas laquelle, bon courage, hein, Merchman l'a pas trouvé. C'est quoi le nom du site ? Il y aura c'est boutiquepopcorn.fr. Oh là là, il t'a mis bien. Tu vas revenir plus souvent, toi. C'est fini l'isolement là. viens là quoi, ça fait plaisir. Mais voilà, donc du coup n'hésitez pas, si jamais boutiquepopcorn.fr, vous avez toutes les infos. Merci aussi à Shopify qui régale les amis. Et voilà, comme ça, on aura quelqu'un aussi ici avec nous. Avant de passer aux actus, juste après, j'ai pas pensé, je voulais en parler en intro. Mais non. T'es allé voir Mario, toi, Mario Bros, non ? Ah oui, c'est vrai, on en a pas parlé. Ouais, je suis allé voir Mario. Mario, c'était un peu l'événement. Il s'est sorti la semaine dernière, mercredi dernier. Et j'y suis allé samedi parce que j'étais trahi par la famille. Évidemment, ma femme qui est allée voir avec ma fille sans moi. Donc j'étais vraiment très, très malheureux. Et j'y suis allé avec un copain samedi. Et c'était vachement bien. Ah ouais ? Ouais, franchement. Je me suis régalé. Alors, honnêtement,
On pouvait s'attendre qu'à mieux du comparé au film de 93 évidemment qui est une merde infâme mais là ah, avec eux mais c'était pas un dessin animé non non malheureusement ah, mais, ouais. Mais il est incroyable j'ai des bons souvenirs pour ce film. Johan Sardet d'Allociné nous a raconté un peu l'histoire de tout ça mais vraiment globalement ce qu'il faut comprendre c'est que le film c'est une anomalie totale puisque les mecs sont allés voir en mode on aimerait faire un film sur Mario et Nintendo a dit bah allez-y alors qu'aujourd'hui c'est improbable oui, tu oui, vois, bah, il, oui, vraiment. Il loque tellement les licences bref et en fait là le film est vraiment super chouette c'est vraiment pour les enfants, tu vois, il y a un peu ce reproche sur certaines critiques qui vont dire ah, il n'y a pas ce double sens de lecture comme on peut avoir sur certains Pixar, certains Disney et tout ça. Je pense qu'on n'en a pas besoin, très honnêtement. Des fois, c'est juste bien de poser ses fesses et. Ouais, c'est des belles images. Et c'est... Vraiment, c'est très beau. L'histoire est plutôt simple. Hein, globalement, le synopsis, enfin, je veux dire, je spoil he's rien. Back, he's back Bowser avec, avec Bowser. Bowser. Effectivement, mais en gros, le synopsis de base, et que j'ai trouvé le parti pris assez intéressant, parce qu'on rappelle que ça a été fait par le studio Illumination, qui est un studio d'ailleurs français, hein, donc on est très heureux d'avoir ça okay, chez nous. Moi, chez Méchant. Par exemple, bah c'est français techniquement. Donc c'est le même studio qui a produit le film. Et en gros l'histoire, c'est bah, les frères Mario et Luigi qui vivent littéralement donc à New York, quoi, enfin dans l'histoire on va dire, et qui sont pas dans le Royaume Champignon. C'est-à-dire comment tu peux avoir une histoire à ce niveau-là bah, ils ont fait le parti pris de dire c'est des humains qui vivent dans un monde d'humains. Et un jour, bah, dans les égouts, ils vont trouver un tuyau et arriver au Royaume Champignon. C'est pas le vrai lore du jeu vidéo ça? Non, c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas le vrai lore du jeu vidéo. Frère, c'est un mec qui saute sur des Goombas, donc au bout d'un moment. On comprend plus rien. Il est né dans les Goombas à la base, Mario. Moi, je croyais qu'à la base, c'était un plombier qui était tombé dans le monde des Goombas. À la base, voilà, je te le dis, c'est un craquette de Montpellier. Sur des vidéos à côté de la place de la comédie. Un mec au regard louche de Nantes. Voilà, parcours de vidéo. Du lutte et tout. Mais non, bref, il tombe sur ce tuyau-là. Ils sont séparés, Luigi et Mario. Luigi tombe dans un endroit un peu chelou, un peu machiavélique. Et Mario arrive au Royaume Champignon, il rencontre Todd, il va rencontrer la princesse Peach et après toute l'histoire. Là, il spoil le film, on va rien dire. Non, c'est vraiment, c'est les 10 premières minutes. Hein, donc voilà, le film. Il amène les gens à la curiosité. Non, mais t'es obligé de savoir parce que tu sais très bien qu'il y a Bowser, non, mais ça, je la savais princesse, pas. Etc. Moi, j'ai juste vu la com un peu partout dans les. Putain, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs verts à Paris et dans toutes les villes là, où il y a Les panneaux publicitaires, oui. Exactement. Et ils avaient foutu Mario par-dessus en mode comme c'était un tunnel, etc. Et c'est assez sympa. C'est vraiment sympa. Mais le film est vraiment sympa. D'ailleurs, moi, j'y suis allé. Donc samedi, il y avait vraiment beaucoup de monde. Pourtant, ces petits ciné de Montargis, tu vois, tranquille. Et beaucoup d'enfants. Parce que comme on l'a dit, moi, ma fille, par exemple, qui va faire 6 ans, elle a adoré, alors qu'elle ne connaît pas spécialement Mario. Donc vous pouvez y aller vraiment avec les enfants. Il y a énormément de rêves. Beaucoup de rêves. Tu joues à Mario depuis que t'es gamin, tu connais tout par cœur, etc. Le film va te régaler. Ça dégueule de rêves, même. Mais c'est vraiment, vraiment très chouette. C'est très, très bien animé. Et surtout, moi, la seule peur que j'avais, c'était... mettre des voix, on va dire, sur des personnages qui n'en ont pas habituellement. Ah, ouais, c'est vrai. Et franchement, ça marche super bien. Alors, la critique internationale avait un peu descendu le film, mais heureusement pour nous, ils ont descendu plutôt les prestations, parce qu'il faut savoir que ils ont pris un casting de fou, non ? C'est Chris Pratt qui le fait Mario en anglais, enfin en américain du coup. La voix, tu veux dire ? La voix, exactement. Ah, oui, okay. Chris Pratt fait Mario, et du coup... voilà, pour la presse internationale, c'est pas ouf. Nous, on a la chance d'avoir une VF, encore une fois, extraordinaire. Tu vois pas donc, Chris Pratt, Chris Pratt, le gardien de la galaxie. Star-Lord. Le héros, ah oui, donc le blond, d'accord. Ok, c'est bon, je vois. Et donc clairement c'est lui qui fait Mario ici, c'est Jack Black qui va faire Bowser. Nous on a vraiment un casting en VF qui est mais vraiment fabuleux. On a que de la masterclass. On a le frérot Donald Reignoux que j'embrasse aussi qui fait Kamek qui est extraordinaire. C'est Donald, il est très très fort. Mais bref, on a un casting XXL. Kamek. Kamek. C'est qui Kamek? Kamek, bah, c'est le petit magicien qui est à côté Capuche de Bowser. Rouge. Ouais, c'est ça. Ah, Kamek. Kamek. Voilà. Tu fais ça à sa rencontre, c'est Kamek, Tommy, Kamek. Kamek. Présentez-vous. Je comprends. Donc. Mais bon, voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir, et puis, mine de rien, c'est quand même un film qui fait, entre guillemets, qu'une heure et demie. Aujourd'hui, on est sur des films, les standards, c'est 2h, 2h30. Ouais. On en parlait un petit peu, tu sais, de ce. Ah, je vais au ciné, c'est 3h. Là, tu vas voir Avatar. Frère, il faut déposer le bilan avant et tout, c'est vraiment chiant. Là, tu prends un peu ton temps et 1h30, ça suffit très largement. Évidemment, c'est un peu la mode des scènes post-génériques, il y en a deux. Et ça laisse que présager du bon pour la suite. Donc, ça a l'air très de super bien marcher et tout, le lancement, etc. Là, ils sont à 200 encore... de recettes pour un film qui a coûté 100. Donc, déjà. Ça va aller à plus d'un milliard, petit cercle fermé. C'est une critique de fou quand même, Jiraya. Hein. Mais Jiraya, mon pote, c'est le meilleur. Je savais pas que t'étais autant aussi bien un bon critique que ça. Bah oui, t'as vu. Ah, écoute, et que ce soit genre parc d'attraction, film. Ouais, il critique tout bien. Il a un troisième sujet qu'il garde dans la poche. Je garde dans la poche. C'est tout mon message. Attention. Je vais acheter ça, alors. 400 M désormais. 400 M, bah voilà. Ça a doublé. Depuis que je viens d'en parler, les gens prennent des tickets.
c'est fou. On contrôle plus, on contrôle plus. Il plaît à tenir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Non, moi j'étais allé voir Les Trois Mousquetaires aussi, qui était super sympa. Français, en film français, etc. Un peu gros film où ça s'est donné. Là, là, il est. C'est sorti mercredi. Ça fait 77. La dernière fois que j'allais au cinéma, c'était pour voir Avatar, le Royaume de l'eau. Ah, ça va. Moi, ça fait une bonne année. Et le dernier film que j'avais vu, j'avais kiffé, c'était Bullet Train. Ah avec oui. Brad Pitt et tout. Ah oui, oui. Et ça m'avait fait du bien de voir un film un peu à humour américain, tu vois, genre un peu what the fuck, etc. Ça part dans tous les sens, mais bien maîtrisé. Pas grave façon animée, tu vois. Et vraiment, j'avais kiffé. Et après, d'ailleurs, j'ai regardé deux, trois fois où le ciné, il n'y avait pas grand-chose qui me chauffait. Et j'hésitais à prendre le fameux abonnement. Ouais, pour le fameux abonnement. Tu vois, ou dès que tu vas deux fois dans le mois, ça y est, c'est bon, c'est voir. Bah, je trouve qu'en ce moment, on a pas mal de bons films. Bah ouais, pour le coup, j'avoue, même Les Trois Mousquetaires. En plus, t'as un casting français, François Civil, t'as Pio Marmaille, il y a Eva Green, Joris, etc. Et honnêtement, c'est assez cool. Donc, si jamais dans le chat, ça a dit, mais attends, c'est sponsor sur Mario. Non, non, c'est juste que je crois que le film est vraiment très bien pour le coup. Après, si ça peut être sponsor, moi les gars, je suis open. Hein. Nintendo, surtout pas. Plus de billets vendus par Gigi que de t-shirts popcorn ce soir. Des solidarise. Ils sont sympas, le chat. Un sub. Ça fait toujours plaisir. Je te porte vers. Bien sûr, boutiquepopcorn.fr si jamais. Les amis, on va passer à mes actus. Tout de suite, on est parti. Je vous emmène de l'arnaque. Attention. Oh! Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poteau, c'est les actus de PA. Et on commence direct avec. Attends, pousse. Oh, ouais. C'est qui la voix qui fait le jingle? Roots Wayne, qui s'appelle désormais Gavin. Okay. Ah, il a changé de. Ouais, exactement, qui fait des très bons trucs. Mais aucun souci, si jamais une autre question, un petit levage de main comme ça, c'est juste magnifique, mon cher Tommy. On commence tout de suite, arnaque de grande ampleur. Bam bam, on est parti, PA de la Villardière. Je vous emmène tout de suite. J'ai vu passer en fait quelque chose où j'étais pas du tout au courant pour le coup. Ce tweet, justement, qui parlait donc de la chaîne de magasins Upside. Ça m'a donné envie de m'y intéresser d'un peu plus près, de savoir ce qui se passait, pourquoi ça cristallisait autant de tensions. Dans un autre genre, hein, il y a pile un mois, il y a un daron pas content qui s'est pointé donc du coup au magasin de Romans-sur-Isère, juste à côté de Valence en gros, et qui a été aussi donc victime de prélèvements, hein, comme on pouvait voir dans le tweet, et qui juste en fait était à bout, hein, parce que c'est vraiment une arnaque qui est tout simplement terrible, qui on va dire gentiment a mis à mal le magasin. Si vous connaissez pas Upside, vous connaissez ou pas ici déjà? Pas du tout. Moi, j'ai connu avec cette affaire. Gigi, ouais, donc Gigi, toi, c'est ça qui t'en a fait entendre parler. En gros, c'est des produits high-tech un peu partout en France, donc à Paris, Lyon, Bordeaux. Il y a quand même 31 magasins dans toute la France. Donc quand même, hein, c'est pas petit du tout. Ils sont aussi présents en Europe, je crois, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie, etc. Concrètement, le magasin, c'est quoi? De l'extérieur, c'est lumineux, c'est un peu stylé, ça fait un peu un Apple Store. On dirait Apple, ce que j'allais dire. On a un peu ce mood-là où tu te dis, OK, ça a l'air plutôt clean. Ça a l'air clean de fou. Tu vois, si tu dis ça a l'air bien, ça a j'ai l'air envie d'acheter un téléphone là-dedans, franchement. Attends, laisse-le finir. En vrai, ils ont un système donc du coup rodé, hein, pour faire venir les clients en boutique, pour leur présenter les derniers produits de dernière génération, etc. Et surtout tous les avantages que tu vas pouvoir avoir chez eux. Je te pose un peu le décor. Tu te balades tranquille un samedi, centre commercial. Tu te balades juste devant. Tu te fais alpaguer par un vendeur qui te file un flyer et qui t'explique que en ce moment il y a une promotion et tu peux avoir un cadeau gratuit, par exemple une batterie externe. Si jamais tu viens, donc ça c'était l'offre avec la power bank. Derrière, forcément, le beau discours, il y a toute une sauce un peu manipulation, etc. En fait, ils arrivent à faire souscrire des offres aux clients. De notre point de vue, on se dit voilà, mais qui tombe là-dedans, etc. Parce que c'est vrai que ça semble peut-être un peu gros, etc. Le truc, c'est que c'est absolument terrible parce que beaucoup de gens tombent dedans. Oui, Tommy. C'est quoi comme nationalité la marque? Français. C'est français, c'est ouais. Ok. Ça vient de chez nous. Très bien chez nous. C'est un pur produit. Ils vendent quoi? Alors, ils vendent des produits high-tech à la base, type, je sais pas, je te dis de la merde, un iPad, téléphone, etc. Donc, vraiment, absolument tout. Sauf que là où ils vont faire leur business un peu sombre, c'est que les vendeurs, ils te poussent justement à souscrire à des assurances, souscrire à des offres qui vont pouvoir être avantageuses. Par exemple, OK, prends ce téléphone, mais si tu prends notre assurance en plus, tu vas payer peut-être 100 euros par an.
mais en fait tu vas avoir peut-être 1 500 € de bénéf par-dessus parce que tu vas avoir des offres dans tous les sens et ça va juste être génial. Sauf que forcément, il y a plein de petites conditions. C'est une affaire qui a déjà été pas mal débunk, qui a déjà été pas mal affichée, sauf que ça ne s'arrête pas. Et il y a une personne qui en a beaucoup parlé et qui a pas mal parlé d'arnaque aussi en ligne sur Internet, c'est le youtubeur Sandoz et il est avec nous ce soir. Il est juste là. Ouh monsieur, comment ça va ? Bonjour, bienvenue. Ça va ? Bien et toi ? Merci beaucoup d'être là. Tu vas bien ? Tranquillement, et vous ? Bah écoute, très très bien. Si vous connaissez pas Sandoz, Franchement, petite parenthèse, mais quel flow ! Oui. Vraiment, les lunettes, le dégradé. Ah, mais oui. Vraiment. Oui, c'est oui. Venu pour en découdre. Je suis au mon max, ça. Dans le chat, ça lâche CR7. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est vrai que si les gens ne connaissent pas, donc du coup, toi, tu as fait beaucoup, beaucoup de vidéos autour des différentes arnaques en ligne. Tu as fait aussi pas mal de vidéos sur ce qu'on appelle les brouteurs. C'est ça. Du coup, bah, voilà où tu es allé, caméra cachée, etc. Tu as un peu montré, aidé aussi les différentes victimes qui se font avoir. Et Upside, toi, ça a été justement quelque chose où tu as fait beaucoup de vidéos dessus. Quand est-ce que tu as découvert déjà cette arnaque ? Parce que là, on entend beaucoup parler à nouveau, mais ça date un peu quand même. Ça date un peu. Moi, c'était en 2017 déjà. Okay. J'ai commencé à recevoir un peu des plaintes, des gens qui me contactaient justement par rapport à tout ça. Et je recevais énormément de plaintes. Et je me suis intéressé au sujet. J'ai vu qu'il y avait... j'ai creusé un peu. J'ai vu qu'il y avait Une magouille. Il y avait une magouille. Et concrètement, c'est quoi qui est shady là-dedans ? Genre, on en parle plus 5 minutes, un petit peu de ça, machin. C'est quoi le problème ? Genre, je crois que le premier tweet, c'était des mecs qui se faisaient retirer beaucoup d'argent tous les mois. C'est quoi le bail ? Ce sont tout simplement des pratiques trompeuses, en fait, des pratiques commerciales trompeuses. Donc, ils vont t'alpaguer avec des, comme il a DPA, avec des batteries externes gratos, des téléphones portables offerts, etc. Et sauf que tu vas te retrouver avec des prélèvements un peu abusifs, entre guillemets, par exemple. Il y a des gens, ça commence à 14 € par mois et ça finit à quasi 1 000 € par mois de prélèvement. Mais c'est grave, ça veut dire que les employés, ils étaient complices aussi ? Parce qu'en général, tu sais, genre, une fois le patron, il va monter des combines, mais genre sur un truc où il y a plein de boutiques. Voilà. Je vais faire tomber le. Renverser l'eau. Dans un truc où il y a plein de boutiques avec plein d'employés différents, c'est-à-dire que les employés, ils savaient ce que. Complices, mais malgré eux. Ouais, moi, j'ai parlé avec des employés, mais complices, mais malgré eux, parce qu'ils ont. Ils se font former, ils signent une charte. Ouais, voilà. Oui, okay, ils font ce qu'on leur demande, en fait. Ils font exactement ce qu'on leur demande. C'est une méthode pour revenir, peut-être, pour aussi illustrer, pour que les gens comprennent bien. C'est vrai que je suis tombé sur un de leurs avantages, parce que c'est vrai que c'est un peu ce qu'ils mettent en avant. T'as des avantages, par exemple, tu peux gagner de l'argent sur des voyages que tu vas prendre, du coup, tu vas pouvoir te faire rembourser si t'as. Un truc, tu vas avoir des options à côté. J'avais vu, c'est vrai, une offre, c'est pour vous expliquer un peu, donc le Upside Reward Club. Donc si jamais tu souscris par exemple au club, bon bah en fait, les mecs ils te vendent que peut-être t'achètes un téléphone, en plus, prends-toi l'abonnement, le truc est quand même lunaire parce qu'en haut à droite, donc t'as Infinite, le Infinite, il y a marqué donc du coup 24,99€. Donc tu te dis ok, le truc c'est peut-être 24,99€ par mois, j'en sais rien. Bimensuel. Juste en dessous, ce que vous voyez peut-être pas, c'est bimensuel le deuxième mois, puis 49,99€ bimensuel par mois. Soit 49,98 le deuxième mois, ouais, ça perd puis 99,98 par mois. Si tu signes ça, concrètement, tu as combien de prélèvements par mois qui tombent là, parce que... Généralement, actuellement, c'est quasi... Par exemple, une personne qui se fait alpaguer à l'entrée du magasin, quand elle ressort, généralement, c'est minimum 5 contrats. Donc là, ce qu'on vient de voir ici, par exemple, 24€ par mois, c'est x5 quasiment. Ah ouais. Ça commence à 24€ par mois, 24,99€ par mois bimensuel, x5. Il y a certains contrats qui vendent jusqu'à 99€ par mois, donc 100€. J'ai déjà vu des prélèvements qui passent à quasi 2 000€, voire même un peu plus. Et ils tenaient les offres au moins ? Ils faisaient ce qu'ils disaient dans le contrat ou même pas ? C'est trompeur un peu. Ouais. Ouais. Il faut vraiment lire dans les petites lignes, tu vois, ce qui est par combat avec l'astérisque, ce qui ça. Parce qu'on avait pu voir, tu avais fait déjà des vidéos en caméra cachée aussi. Il y a Le Parisien qui avait fait une bonne vidéo il y a à peu près 4 mois pour expliquer ça et qui avait fait une caméra cachée. Ouais. Et c'est qu'on a un extrait qu'on peut voir si vous voulez, qui te montre un peu le type de pratique, quoi. C'est sur 2 mois ? Bimensuel sur 2 mois. Il y a 2. Étalé sur le mois. Donc ça c'est l'extrait, c'était un autre que je voulais, mais c'est pas grave. Mais c'est ce qui te montre justement le côté bimensuel où le mec te dit ouais, c'est sur deux mois. En fait, c'est 25€ prélevé deux fois. Et c'est vrai qu'il y avait, je crois que c'était dans ta vidéo, mais le vendeur concrètement, il t'explique en fait, là tu vas avoir, donc du coup, par exemple, l'Upside Reward, là, tu vas avoir 2 500€ d'avantage. Toi, t'as juste à payer 1 000€. Tu gagnes 1 500€ de bénéf, quoi. Tu te dis la folie. Donc, c'est fort, c'est broken. Non, mais c'est vrai que totalement faux. Let's go. Ah ouais. Tu vois, c'est totalement du mytho. Je les connais par cœur. Ça, c'est la formule la plus complète. Tu vois, donc, et c'est vrai que nous, on est là, etc. Maintenant, tu sais que c'est une arnaque, etc.
Il y a quand même, j'imagine aussi. Non, attends, j'ai lu le sous-titre déjà, il a dit bimensuel, ça veut dire en deux fois. Ouais, ouais, non. Deux fois, alors, c'est alors, 24 x 2, c'est pas 24 divisé par 2. Mais à un moment donné, ils partent un peu en freestyle. Oui. J'ai déjà vu des prélèvements, par exemple, dans le même jour, ils peuvent prélever 5 fois. Ah, d'accord. Ouais. Que tu comprends. Ouais, ouais. Ouais. Des fois, ils partent un peu en freestyle, okay. On comprend pas pourquoi. Mais c'est vrai que du coup, on se dit, c'est quand même un peu lunaire, parce que ce truc, du coup, ça date depuis longtemps désormais. Toi, tu le disais, il y a des gens, ils se sont fait arnaquer par plusieurs milliers d'euros, en fait. On parle des fois, parfois, 40, 50 000 euros. Et des gens qui vivent un peu déjà dans une précarité, tu vois. Ce ne sont pas des gens qui... Mais ça veut dire que, en plus, théoriquement, vu qu'ils ont signé le contrat et tout, ça veut dire que c'est une galère légalement pour rembourser. Non, pas forcément. Il y a certains contrats qui peuvent être considérés comme pratiques abusives et où tu peux gagner en justice. Okay. Mais derrière, il faut le porter en justice. Ils ont été condamnés justement pour ça. Ok, ouais, parce okay que, cool. Parce que, juste pour... on peut en parler, c'est vrai qu'en 2019, du coup, juin 2019, donc la SFAM, qui est donc du coup l'entreprise derrière Upside, écope de 10 millions d'euros d'amende quand même par la répression des fraudes. Donc tu te dis, bon bah concrètement, les mecs, ça a mis le doigt dessus, maintenant ça a l'air d'être réglé, comment on peut être en 2023 et il y a des traites qui continuent à sortir sur le fait que les gens se fassent arnaquer, sur le fait que justement il y a des prélèvements à base de 75 euros x 5 tous les mois, comment après ces 10 millions justement il n'y a pas le nouveau... Comment ils se relèvent de ça, ouais, en fait, le ils peuvent de continuer justice, d'exercer alors qu'ils sont... C'est assez simple en fait, ils ont tout simplement changé de nom, c'est passé de SFAM, maintenant aujourd'hui ça s'appelle Andexia. Ils ont changé de nom, ils ont changé leur Twitter, ils avaient la certification à l'époque, etc. Ils ont tout changé. Ok. Et ils ont reparti avec les mêmes, mêmes pratiques. Ils veulent se remanger 10 millions, quoi. Non, mais le truc, c'est que la personne qui est derrière tout ça, elle a changé ou pas du tout? Non, elle n'a pas changé, justement, elle fait mais que... Mais du coup, voilà, en fait, parce que le problème, il ne vient pas de là. Au moment où tu prends 10 millions, normalement, tu prends le mec et tu lui dis interdiction d'exercer, tu vois, d'être... à la tête d'une société pendant 100 000 ans, quoi, qui nous fasse toucher. Mais c'est ce qui va arriver. 100 000 ans, normalement, 102. C'est ce qui va arriver là, prochainement, mois d'avril encore, parce que là, il y a une enquête, enfin, il y a. Comment on appelle ça? Ça passe en justice là bientôt, au mois d'avril. Et je pense que les 10 millions, ça va être. Interdiction d'exercer. Bah, ils sont en procès, là. Ils sont en procès, mais ça va, je pense que ça va. Ils vont manger vraiment, vraiment cher. Ouais, parce que j'imagine, parce que c'est vrai que. En fait, j'étais passé totalement à côté, donc du coup, entre temps, je m'étais refait tes vidéos, etc. Je me suis dit, mais. Déjà, j'ai pas du tout vu passer ce truc. Et ensuite, mais comment, 4 ans après, le truc peut continuer de manière totalement tranquille? Parce que le vrai problème, et on le voyait avec la détresse un peu de la personne au tout début qui vient démolir un magasin, c'est qu'il y a l'air d'avoir un ciblage quand même sur des gens potentiellement. J'avais cru comprendre que voilà, les vendeurs, etc., ils essayent de cibler les gens en précarité, potentiellement des étudiants, etc., qui peuvent se dire « Oh putain, trop cool, je peux avoir un petit truc un peu gratuit ou alors moins cher, je peux avoir un bon plan, en fait. » C'est ça que les gens se disent. Bah, c'est ciblé parce que moi, j'ai déjà parlé avec des personnes, enfin des responsables de magasins Upside. Ils me disent, par exemple, des fois, le matin, quand ils arrivent, bah, ils ont un brief. Il faut cibler les jeunes et les gens qui sont mal habillés ou... c'est vraiment ciblé de En même temps, ils vont pas aller chercher genre entre guillemets des bourges qui eux n'ont pas besoin d'avoir des réductions puisqu'ils sont ils vont pas aller chercher des mecs qui sont très aisés financièrement, ils vont plutôt aller chercher des mecs qui justement essayent d'avoir des bons plans, ce genre de choses. Et on sait qu'aujourd'hui, tu vois, vraiment avec l'inflation, tout ce que tu veux, les gens dès qu'ils peuvent faire de l'économie, ils se disent oh putain, si je dépense 1000 balles, j'en gagne 1005 de plus. Ça semble trop beau pour être vrai, tu vois, mais ça existe en plus, hein, techniquement, il y a plein de petites, mais là ça semble tellement Devant le magasin, ils les appâtent avec des batteries externes gratuites, des téléphones portable, etc. Et une fois qu'ils rentrent dans le magasin, ils sortent avec minimum 5 contrats. Parce que y avait des moments où justement, en fait, ils te disent, ils t'expliquent à l'oral et ensuite ils disent si t'inquiète, signé, c'est juste pour prouver que tout ce que j'ai dit à l'oral, en fait, ça va se faire, quoi. Donc, c'est-à-dire, tu vas être bien, je vais te filer des avantages, etc. Et les gens signent. Après, voilà, c'est le moment où tu peux pas blâmer la victime. Ah, mais non, bien sûr. Dans mode c'était, mais le pire truc, c'est que pour ensuite se défaire de ça, parce que tu peux te dire ok, je me suis engagé dans un contrat un peu de merde, ok, vas-y, j'appelle, c'est réglé. Ils n'arrivent pas, en fait. Le truc est infini. Tu ne peux pas te... C'est une mission impossible. C'est une mission impossible parce que dans le magasin, ils te disent, écoute, si tu n'es pas content des services, tu appelles un numéro de téléphone et ça sera résilié. Sauf que 99,99% des gens qui ont appelé ce numéro de téléphone-là, ils n'ont jamais été résiliés. Ils se font balader de service en service pour dire... C'est pas à nous, c'est si, c'est machin, pour peu que le numéro ne réponde pas. Non, et Zach Rec, pour avoir le numéro de téléphone... c'est quasi une heure voire deux heures d'attente. Après, ils vont te balader vers un autre numéro de téléphone qu'il faut appeler, un autre service. Après, ils vont te promettre d'avoir résilié les contrats, que tu vas recevoir un mail sous 38 heures, etc., que tu recevras jamais. Ça, 100% des cas que j'ai eu, c'était ça. Du coup, la meilleure solution, c'est pas directement d'appeler ta banque et de dire bah, je fais opposition sur tout. C'est ce que je
C'est préconise moyen, c'est terrible, ce que je préconise à tous ceux qui me contactent, c'est d'aller directement faire opposition à la banque. Ouais, c'est ce que tu dirais, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des gens, alors différents domaines, parce que là, là par exemple, c'est vrai que c'est des 5 ans, enfin c'est 5 fois 70 euros par mois. Ouais, 70. Donc disons que sur ton relevé, tu le vois. Mais parfois, il y a des trucs, c'est une question, un truc con. Mais G2A, par exemple, nous dans notre domaine, ouais, qui revendait avec les tout, il y avait une offre où les mecs te prélevaient 1,60€ par mois, tu vois, qui peut être un peu plus soum-soum. Encore ouais, sur moi, la moitié de merde là, moins 12 euros. Position, 2,90€. Ah oui. En plus, je suis un enfoiré. Moi, très souvent, dès que je dois résilier un truc, en plus, c'est quand tu dois résilier, ils essayent de te rendre ça plus chiant. Oui, oui. Genre, envoie un double courrier avec accusé de réception le samedi seulement, parce que sinon, après, ça marche pas. Oui. Et donc, moi, c'est allô. Et, et du coup, j'ai déjà reçu des lettres derrière. De... Oui, des suicides, comme ça. Sando, je me demandais, parce qu'il y a eu à l'époque, je me souviens de la FNAC, qui en gros était passée par un prestataire et s'était retrouvée en bad buzz, à moitié au tribunal, etc. Parce qu'en gros, ils avaient un truc d'assurance un peu abusif, etc. Est-ce que c'était déjà la SFM ? C'était la SFM. Le, ah ouais, donc le PDG, les... le PDG l'avait racheté des parts à la FNAC et puis il a revendu ses assurances et il a commencé par là justement. Okay. Et une fois après la condamnation des 10 millions d'euros, la FNAC s'est complètement désolidarisée de... Il n'y avait pas que la FNAC, il y avait la FNAC, SFR, il y avait énormément de marques qui vendaient du upside. Et c'est pour ça que du coup, il a lancé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'est dit bon, la FNAC ne veut plus de moi, la SFR ne veut plus de moi, alors du coup. Ouais, je vais créer mon propre truc, quoi. Ouais. Il a créé ses propres trucs et aujourd'hui, il est en train de se développer partout. Il y en a en France, on peut en retrouver en Belgique aujourd'hui. Par contre, tu avais parlé de 31 upside stores en France. Aujourd'hui, on est à 200 quasiment. Ah pardon, ok, d'accord. C'est passé à 200. Et objectif aujourd'hui, c'est de finir avec, avant fin 2023, l'objectif, c'est de passer à 500. Mais c'est un truc de ouf, parce que si le mec a autant de thunes pour faire autant de stores, autant de machins, autant de trucs... peut pas avoir un business model sain, ça, genre, ouais, genre essayer juste de vendre vraiment des produits, c'est un génie, grosse merde, ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, t'sais, vas-y, à la rigueur, t'as un mec qui fait des scams, mais vas-y, il a pas de thunes et tout. Bon, je dis pas que ça l'excuse pour autant, mais tu comprends le sens. Là, on parle d'un mec, oui, alors moi je vise de 600 boutiques, et le pire, incroyable, c'est... etc. Et il est encore là à faire le après, le, oui, le il clodo est à faire n'importe quoi. Il se rend même pas compte de que c'est pas normal, tu vois. Il a pris pas, 10 millions d'euros pour s'en rendre oui, compte. Oui, oui. Ouais, je pense que là, au tribunal, on commence à lui faire comprendre que c'est pas normal. C'est vrai. Sans dose, pardon. Et le pire, c'est que c'est un génie. C'est un gars qui vient de Lyon et puis il a commencé vraiment de rien. Il était courtier en assurance et là, il se retrouve avec une multinationale. Il aurait vraiment pu faire quelque chose de bien, proprement, tu vois, des choses carrées, etc. Et du coup, c'est la part du gain. Est-ce que tu penses la part du gain, je pense aussi. Est-ce que tu penses que là, du coup, en avril, le business va s'écrouler ou alors le gars va réussir à retrouver des failles? Parce que c'est vrai que, encore une fois, 10 millions en 2019 d'amende, il est encore là, il peut encore exercer, hein, comme tu disais, oui, Gigi, où le truc a l'air de se développer. C'est que, alors on ne sait pas à quel point ça vend en magasin, justement, juste les produits high-tech. Produits normaux, ouais. On a quand même l'impression que tous les contrats d'assurance à côté, c'est ça qui fait le vrai business, quoi. Donc, si cette option de pratique vend, enfin pratique trompeuse, elle s'arrête, ça va être compliqué pour lui quand même. Il faut qu'il mange le plus gros possible. Hein. À un moment donné, il va falloir l'arrêter. Avec une interdiction, comme il a dit tout à l'heure, c'est... Ouais. Plus qu'ils vendent. Mais est-ce qu'au global, tu vois, je trouve ça fou, ouf, parce que si ça dure depuis longtemps, et pourquoi ça explose, entre guillemets, maintenant, j'ai envie de dire. Est-ce qu'au global, c'est une petite partie d'activité qui fait que ça lui permet de générer pas mal d'argent via ce scam-là, et le reste, au final, il n'y a que des clients contents, j'ai envie de dire, ou c'est vraiment chaque mec qui rentre dedans, il se fait laver, quoi. Je peux te dire que 99% des gens qui rentrent là-dedans, ils se font laver. Oh là là. Mais vraiment. C'est vraiment une horreur. Okay. Vraiment. Mais pourquoi ça arrive maintenant, du coup, si j'ai l'impression. Enfin, ça fait plus ça fait 4 ans qu'il y a ça. Non, mais ça explose maintenant parce que ça fait énormément de dégâts. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans un... Ben ouais. Moi, j'ai déjà eu, par exemple, dans ma dernière vidéo où je parle de la SFAM, un mec, malheureusement, qui il a annulé le mariage de sa fille. Le gars qui a été fracassé la boutique Upside, je le connaissais, je parlais avec lui justement parce qu'il a... Et il n'arrivait même plus à remplir son frigo, donc du coup, à un moment donné, il a pété un câble et il s'est fait prêter. Non, mais c'est juste ça qui est terrible. Sur la misère des gens, tu vois, c'est catastrophique. C'est l'impact. Est-ce que toi, parce qu'on se rend compte quand même qu'ils doivent être sacrément puissants pour en être là, toi qui as fait beaucoup de vidéos sur le sujet, etc., est-ce que tu as pris des pressions? Est-ce que, tu vois, ils ont essayé de te faire peur? Oui, énormément. Donc, je suis en procès avec eux. Ok. Donc, il y a une vidéo qui a été supprimée à cause de ça, parce que pour apparemment des propos diffamatoires, et ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, c'est en cours. Il n'y a pas encore de... On est avec toi, mon gars. Hein. Ah ouais, on essaie, mais moi, je ne lâche pas l'affaire. De toute façon, ce n'est pas ça qui va me...
Non, parce que si vous connaissez pas 72, vous êtes pas allé de sa chaîne, parce que c'est vraiment que ça, beaucoup d'arnaques qui se sont révélées parfois. Et encore une fois, nous, c'est vrai qu'on a une communauté, on est sur Twitch, on est énormément sur Internet, donc tout ce qui est justement les scams un peu obvious, j'ai l'impression qu'on les connaît depuis qu'on est arrivé sur Internet. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui se font avoir, et parfois c'est des gens dans le désespoir qui se disent juste je vais pouvoir avoir quelque chose, je vais pouvoir profiter d'un bon plan, et qui se retournent contre eux. En parlant d'un bon plan qu'il faut jamais faire, et que ça m'a étonné qu'une société de cette envergure le fasse, vous avez vu quand vous prenez un billet de train? À la fin, ils vous proposent de temps en temps de souscrire à un truc pour être remboursé d'une partie de la somme. Ne faites jamais ça. Jamais ça. Arrête, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va te prélever pareil, en fait, une somme supérieure, etc. Machin. Là, en gros, au début, tu dis tiens, je récupère 15 balles sur mon billet de train que j'ai payé bien cher. Mais tu payes un abonnement de 50 par mois. En fait, tu payes un abonnement qui, lui, va continuer c'est à pas être. Il y a une option pour. Ouais. Alors, je pourrais pas dire dans le détail précis comment c'est, mais c'est une merde sans nom. Et le fait qu'une société comme la SNCF fasse ça, moi, ça me crève les yeux. Ok. Non, mais en tout cas, et si jamais, le meilleur conseil que tu donnerais, c'est si on se retrouve dans ce genre de cas, c'est opposition à la banque. Opposition directement, contacter son banquier et puis. Et tout couper. Ne pas hésiter d'aller porter plainte parce qu'il y a une action qui est en cours aujourd'hui, une action collective. Ouais, donc plus il y aura de victimes qui se mettent ensemble, en l'occurrence contre Upside, plus l'impact peut être grand pour se rendre compte est-ce de. Justement, il y a un impact, est-ce que c'est soutenu par une association de consommateurs, tu vois, UFC ou ce genre de choses. UFC que choisir, il est sur le coup, il y a la DGCCRF, aujourd'hui il y a Maître Liotti, c'est une avocate avec laquelle j'ai déjà travaillé, qui est en train de faire une action collective, et c'est elle qui porte la parole des victimes. Donc, oui, il y a des recours. Il y a beaucoup de choses. Bah écoute, Sandoz, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Rien à voir, mais en tout cas, j'aime trop tes vidéos où tu fais des hackers. Écoute, merci beaucoup. C'est Tommy. De rien. Voilà, c'est juste ça donne. Le pire arrive, j'ai envie de te dire. Il y a d'autres choses, mais c'est vrai que c'était un sujet qui était important que j'ai découvert. J'ai trouvé ça tellement lunaire. Merci beaucoup, Sandoz. Merci beaucoup, Sandoz. Merci. À la prochaine. Salut. Merci beaucoup, rentre bien. Ciao. Un petit truc quand même. Ceux dans le chat qui ont dit CR7. Il y avait un petit truc, il y avait les posers, il y a clairement un flow. Non mais c'est vrai que le sujet est lunaire, j'étais en mode, et vraiment tu revois parce qu'il y a des TikTok, il y a des trucs qui partent, et du coup il y a des gens qui se font avoir au quotidien quoi. Tu sais, là il y a peut-être deux jours, je tombais sur un autre thread justement, c'était une meuf qui disait que elle avait pris un stage, etc. Et je crois que c'était pour Sobi ou un truc, non pas chez Upside, Sobi. Et en fait pareil, c'est du porte-à-porte avec des trucs abusifs où ils leur font, et là ils ciblent vraiment, tu sais, des personnes âgées souvent, et ils passent au porte-à-porte. Vous avez vu, on vous a installé le compteur Linky, nous on bosse pour EDF, et en fait vous payez un abonnement particulier qui fait qu'il y a un technicien qui est censé passer, mais montrez-nous votre facture. En gros, ils embrouillent les gens, ils leur font signer des trucs par mois, et alors que c'est que d'aller. En plus, les mecs sont même pas mandatés par EDF, c'est fou, hein. Donc c'est ils profitent de totalement illégal, sur ce genre de choses. Et en gros, ils leur font passer le truc de, en ce moment, tu sais, c'est vraiment très porté sur l'énergie, etc. Ils leur disent, vous allez pouvoir économiser. Vous avez pas le petit truc qui dit que vous êtes en énergie verte, et du coup les personnes qui sont vulnérables sont etc. C'est parce que là vous payez un abonnement aussi pareil qui est un peu cher, qui est de 15€ par mois, alors que pas du tout, il y a rien à voir. Donc nous on peut vous le passer à 8,99€, et voilà, c'est que des trucs frauduleux de ce genre là la meuf du coup elle disait, elle était en stage, elle regardait, elle était juste en observation, et elle a dit mais je ne veux pas bosser là dessus et là il y a plein de recours aussi qui se lancent sur ce truc là c'est ouf, hein. Et je trouve qu'on en vit quand même dans un monde où c'est dramatique, où nous mêmes on se dit on va pas se faire avoir par du classique phishing. Bonjour, vous avez. Il y a beaucoup de merde. Retirez votre Chronopost ou des trucs comme ça, ou les trucs en taille aussi par texto. ANTAI, bien sûr, sur la prononciation pour les amours. Vous avez jamais reçu comme ça J'ai jamais reçu. Une fois, je reçois un texto qui dit. Vous avez oublié de payer le parking ou que j'ai. Ah non, moi c'est les amendes dans votre. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis, c'est les trucs ANTAI qui sont les trucs du gouvernement, mais c'est pas vrai. Déjà, c'est numéro de portable, des 07 machin, etc. Et donc tu fais très attention. Message, c'est quatre. Tu lui rêves, à deux autres, c'est le message d'après, il s'est planté. J'ai l'impression maintenant, les gens, dès qu'il y a une arnaque, ils font plus d'efforts pour faire soulever la parole et que les gens ils en parlent. Il faut mieux quoi. Ouais, après, tu te rends compte. Tu te des formations avec des influvoleurs et trucs comme ça, maintenant les gens ils font grave attention. Bah ouais, en même temps. Tu sens qu'il y en a à chaque fois, il y a de plus en plus de brèches potentielles, c'est parfois plus simple de se faire passer pour quelqu'un d'autre, là le truc EDF ou autre, et ensuite ils ciblent beaucoup aussi, tu vois, par exemple les personnes âgées qui se disent je vais payer plus cher, bah là trop bien, j'ai un technicien qui va pouvoir gérer pour moi, et derrière c'est assez terrible. En tout cas, non, en vrai, c'est vrai que c'est quand même assez lunaire. En parlant de lunaire, boum boum, on va parler d'espace avec un cher Hugo Lisoire. Le problème d'Hugo, c'est qu'il devait venir ce soir, sauf que Covid, malheureusement, on va pas pouvoir l'avoir en plateau, mais il va être avec nous à distance. C'est tout de suite. Mon cher Hugo Lisoire, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu es avec nous ?
Yes, je vous entends, vous m'entendez bien ? Oui, on s'entend bien. Quelle souffrance de ne pas pouvoir t'avoir avec nous sur le plateau. Je suis dégoûté. Fallait enfin, le Covid. Mais le Covid, t'as pas trouvé mieux comme excuse ? Non, mais je suis écœuré en vrai. Je suis écœuré, j'avais tout prévu et tout, puis Covid aide. Honnêtement, c'est. Je reste chez moi, je prends pas de risque de vous contaminer. Mais ça, ça fait plaisir que tu sois là. bien. Moi, je suis pas trop. Non, mais Hugo, de quoi tu nous parles ce soir ? Alors, j'aurais pu faire une chronique sur plein de choses, hein, parce que l'actualité spatiale est très riche en ce moment. Dans deux jours, on a le lancement de JUICE, par exemple, de l'Agence Spatiale Européenne. Mais on va parler aujourd'hui de James Webb. Vous en avez certainement entendu parler à fond dans les médias. Il est souvent présenté comme le petit frère Hubble. Et on va voir ensemble que ce n'est pas totalement vrai. Alors, pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de James Webb ou qui ne savent pas du tout ce que c'est un télescope spatial, on vous a mis des petites images. Oh, la régie qui est géniale, qui enchaîne tout de suite. là, ce que vous voyez, par exemple, c'est le miroir primaire de James Webb lorsqu'il était dans un bâtiment de test. Et vous pouvez voir un petit peu l'échelle, justement, avec les scientifiques qui sont en combinaison blanche, là, à côté. Ah ouais, d'accord. Et ça vous donne déjà l'échelle de ce télescope spatial qui est assez monstrueux. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il a cette couleur dorée, c'est tout simplement parce qu'il est plaqué or. C'est pas pour le flow, forcément, mais en vrai, ça peut être la classe. Mais c'est surtout parce que l'or réfléchit super bien la lumière. Je crois que c'est 98% des photons qui sont réfléchis par l'or. Par rapport à combien pour du vert, pour faire un miroir. Non, mais en fait, il nous faut pour faire un miroir absolument parfait. L'or, c'est vraiment ce qu'il y a de. Non, mais juste pour comparer, si c'est du vert normal, ça reflète à combien? Alors ça, je sais pas. Ah. C'est une bonne question. Désolé. T'as mis que des questions. Il est venu te piéger hein, ce soir. Hein, il nous a dit ce soir. Je connais bien. Pour quelqu'un qui connaît rien du tout à l'espace, tout ça comme moi, globalement, à quoi ça sert? Mais vraiment, quelle est l'utilité de qu'est-ce qui est si fou avec ce cet objet? Alors, je vais y venir. Alors, c'est un télescope spatial qui est assez généraliste, hein, c'est-à-dire qu'il va servir tous les pans de l'astronomie. Donc, il va nous permettre d'aller observer des galaxies qui sont très, 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 très éloignées ou d'observer, par exemple, de caractériser des exoplanètes, donc des planètes qui ne sont pas dans le système solaire, ou même d'observer des objets qui sont dans notre propre système et pour avoir plus d'informations, plus de données scientifiques, permettre de mieux comprendre comment c'est former notre planète, notre système, ou même des questions fondamentales, comment se sont formées les premières galaxies, les premières étoiles. Ah oui. C'est en vrai nourrir la curiosité scientifique. Okay. Alors, on avait une autre photo pour vraiment vous rendre compte du coup de la taille de ce télescope. C'est une maquette qui était en échelle 1-1. Je ne sais pas si la régie peut la mettre. Pour vous rendre compte, voilà, là on voit vraiment la taille du télescope quand il est totalement déplié. Et les petites couches que vous avez de capton, c'est un pare-soleil qui fait 22 mètres par 12, donc c'est à peu près la taille en longueur d'un terrain de tennis. Je sais que vous êtes plus sport que moi sur le plateau, donc vous confirmerez. Sauf que ça aille dans l'espace, ça. Et pour que ça aille dans l'espace, en fait, il faut être très très fort en origami. Donc ça a été plié dans tous les sens. Et c'est une séquence de déploiement qui a duré 29 jours. Oh. Et si la moindre séquence se loupait, on foirait tout le projet. Et c'est un projet qui a été réfléchi depuis les années 90, donc qui est sur plus de 30 ans, et qui a coûté 10 milliards de dollars. Donc, il fallait pas se louper. Et d'ailleurs, c'est une Ariane 5 qui l'a lancé. D'accord. C'est une Ariane 5 qui l'a lancé et on peut dire bravo à toutes les équipes d'Ariane Group, d'Ariane Espace, puisque le lancement a été tellement parfait que les équipes qui opèrent le James Webb sont très contentes puisqu'il va pouvoir durer plus longtemps. Parce que bon, le James Webb, il a du carburant qui va lui permettre de corriger un peu son orbite. Et le lancement par la fusée Ariane 5 a été tellement parfait qu'ils se sont dit « Ok, on a besoin d'utiliser moins de carburant, donc on va pouvoir faire de durer la mission plus longtemps. » Donc GG, je tenais à souligner la performance des Européens là-dessus. Pas sûr. Tu me vois lever la main ou pas, Hugo? Hugo, il y a Tommy qui a une question. Ah non, je vous vois pas forcément lever la main. En gros, allez-y, vous avez des questions. T'as dit que James Webb, c'était comme le grand frère de Hubble. Est-ce que le fait qu'il y ait James Webb maintenant dans l'espace, quoi, est-ce que ça le rend obsolète, Hubble, ou il a quand même une utilité? Et c'est quoi la différence entre les deux, du coup, maintenant? Ouais, alors non, justement, il est souvent dit dans les médias, on dit que c'est grand frère ou petit frère d'Hubble. Et en fait, c'est pas totalement vrai, puisqu'ils n'ont pas été pensés pour les mêmes missions, et du coup, ils n'ont pas les mêmes capacités.
Hubble, c'est un télescope qui a été pensé pour voir en lumière visible. Donc, il voit avec la lumière que nous, on voit avec nos yeux. D'accord. James Webb, lui, il voit en infrarouge. Donc, c'est une lumière qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Et pourquoi il voit en infrarouge, James Webb ? Parce que la question... Les ondes sont plus longues, non ? Oui. Oui, justement, parce que la question que se posaient les scientifiques dans les années 90, c'était merci, vraiment comment se sont formées les premières étoiles, les premières galaxies. Et du coup, pour répondre à cette question, il faut pouvoir voir à 13 milliards d'années de nous. Et pour ça, il faut voir en infrarouge, puisque les photons qu'ont émis ces premières étoiles et ces premières galaxies, eh bien, ils sont plus visibles dans la lumière qu'on voit avec nos yeux, puisque, bon, là, je vous passe un peu les détails, mais il y a un phénomène qu'on appelle le décalage vers le rouge. À cause de l'expansion de l'univers, en fait, cette lumière, elle n'est plus visible de nos yeux, elle n'est visible qu'en infrarouge. Donc, James Webb a le pouvoir de voir un peu dans le passé, très loin, et il peut observer des galaxies qui se sont formées il y a 13 milliards d'années. C'est un peu ça, la dinguerie. En fait, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi, justement, quand ça commençait à parler de James Webb et tout, à l'époque, il y a quelques mois de ça, ça disait, oh, on voit des trucs dans le passé et tout. Et j'étais en mode, mais attends, pourquoi on voit dans le passé ? Du coup, là, j'ai l'explication et c'est beaucoup plus clair. Du coup, on a l'information. Ouais. Ok. Ouais, et ça permet, alors voir dans l'infrarouge, ça ne permet pas que de regarder dans le passé, ça permet aussi de traverser un peu des choses qu'on ne pourrait pas voir en lumière visible. Par exemple, Hubble, il prend souvent des photos de nébuleuses. On va pouvoir montrer la nébuleuse de la Carène prise par Hubble. Les nébuleuses, c'est des lieux où naissent les étoiles, où se forment les étoiles. Et sur les photos d'Hubble, on voit, alors je ne sais pas si la régie peut nous montrer la photo de la nébuleuse de la Carène. Ils sont en train de taper sur Google Images, t'inquiète. Non, moi j'ai fourni toutes les images. voilà, on voit du coup, c'est magnifique, hein, on voit des couleurs, on voit un nuage de gaz et de poussière. C'est vers le même endroit que les piliers de la création, un truc comme ça, non ? Ouais, c'est pas très loin, ouais, effectivement. Les piliers de la création, je les ai mis juste en dessous, tu verras. Cool. Et quand on voit la même image qui est prise par James Webb, eh bien, on voit beaucoup plus de détails parce que la lumière passe à travers le nuage de gaz et de poussière. Et du coup, les scientifiques, eux, ils ont beaucoup plus d'informations. Ils peuvent déduire beaucoup plus de choses, comment se forment exactement les étoiles, etc. Et du coup, on avance, on fait des grands pas là-dedans. Et ça fait qu'un an et demi que le télescope est lancé, même pas un an et quelques mois. Et vous allez voir qu'on a commencé à faire pas mal de découvertes. Sur l'autre photo, du coup, tu demandais pour les piliers de la création. On va mettre une image où il y a les deux photos, James Webb et Hubble, et vous allez assez vite deviner, à mon avis, lesquels des deux est de James Webb et lequel des deux est de. Non, mais vraiment, celle de droite est excellente. Celle de droite est tellement plus précise, en fait. Tu peux nous rappeler, ça mesure combien, ça ? Beaucoup de choses. On voit vraiment, du coup, toutes les étoiles derrière le nuage de gaz, on arrive à les distinguer, etc. Et on peut même zoomer, je sais pas si. Alors, on pourrait dire le pouce. Dans le pouce, par exemple, il y a plein d'étoiles qui sont en train de se former dans la petite tache rouge. Et si on zoome sur le pouce avec la prochaine image, on va voir plein de jeunes étoiles qui rayonnent et qui commencent tout juste leur vie. C'est beau. Non, en vrai, c'est magnifique. Je crois que Tommy avait une petite question. Non, juste... Ah, excuse-moi. T'inquiète. Non, t'inquiète, c'est moi. Juste pour qu'on se rende compte, tu te rappelles, ça mesure combien à peu près ? Les piliers de la création, là, l'image d'avant qu'on voyait. On dirait pas que c'est grand, mais c'est gigantesque. Une centaine de mètres. C'est gigantesque, c'est absolument gigantesque. On se rend pas compte, mais c'est l'extension de la piste d'aéroport. Genre, je crois des milliers d'années-lumière de niveau. C'est monstrueux, hein. C'est des structures qui se comptent en plusieurs années-lumière. Attends, j'ai une dernière question. Désolé, je t'embête, mais moi. En gros, est-ce que vu qu'il fait des photos, tu m'as dit en infrarouge et pas en lumière visible, du coup, c'est ça. C'est des photos qui sont retouchées, en fait. Alors elles sont recolorisées effectivement pour donner donc pour pouvoir les transmettre au grand public et eux de leur côté effectivement ils ont des photos avec plusieurs analyses d'images différentes qui leur permettent d'avoir des données différentes mais pour les présenter au grand public effectivement les images sont retravaillées. Oui, OK. Désolé, merci. Bref, donc, vous l'avez compris, donc James Webb, il peut imager des galaxies qui sont extrêmement lointaines, il peut percer les nuages de gaz, etc. Mais c'est un télescope assez généraliste, il peut aussi analyser l'atmosphère d'exoplanètes. Alors, c'est des planètes qui sont en dehors du système solaire. Notamment, il a analysé assez récemment l'exoplanète WASP-39b, et il est capable de dire que dans l'atmosphère de cette planète, par exemple, il y a des traces d'eau ou des traces de dioxyde de carbone. Alors, comment il fait ? Eh bien, lorsque la planète elle passe devant l'étoile, en fait,
La lumière de l'étoile, elle va passer à travers l'atmosphère de la planète jusqu'au télescope. Et la lumière qui est reçue par le télescope, elle contient la signature de l'atmosphère de la planète. C'est insane. Et ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on en est rendu là en termes de civilisation. On est capable d'analyser les atmosphères de planètes qui sont extrêmement, extrêmement lointaines. Grâce à la lumière de l'étoile derrière. Putain, c'est ouf, parce que j'avoue que moi, espace, j'apprends, j'écoute Tommy qui connaît un peu plus, ça peut poser les questions. Ah, mais c'est ouf, c'est en termes d'avancée, etc. Donc là, on est capable, par exemple, cette exoplanète, savoir si... sans que ça soit habitable, mais en mode savoir si ce qui a exactement ce que contient son atmosphère. En termes d'espace, là, on vit la meilleure époque. Ouais. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Ouais, ouais, clairement, on vit la meilleure époque. Et effectivement, on est capable de savoir ce qu'il y a un peu dans cette atmosphère. Alors, le Graal, hein, ce serait de pouvoir analyser une planète qui fait à peu près la taille de la Terre et de savoir si dans son atmosphère, on peut trouver, par exemple, un gaz qui serait marquant de la vie. Genre un gaz qu'on sait que sur Terre, par exemple, il ne peut être que créé par la vie. Et là, on se dirait, waouh, il y a une chance que sur cette planète, il y a de la vie, etc. On n'en est pas encore là. Ouais. Oui, il y avait eu cette histoire sur Vénus, effectivement, Tommy qui suit bien, avec la découverte de phosphine. Mais au final, bon, ça a été... C'est pas si fou, quoi. Ça a été un peu débunké et revu par d'autres scientifiques. Et pour l'instant, Vénus n'a toujours pas de vie. Dans notre système, il y a rien de zinzin, quoi. On peut se dire, bon, les gars, on pense... Dans notre système... Je prends l'info. Je prends l'info, j'ai un jet. Il y a des choses de zinzin, au final, parce que Mars, par exemple, a eu des conditions favorables à la vie dans son histoire. On sait que des lunes de Jupiter, par exemple, pourraient avoir des océans d'eau liquide cachés sous des croûtes de glace. Donc là, on voit, par exemple, sur la prochaine image, on va voir Titan. Titan, c'est une lune absolument incroyable qui a un cycle liquide du méthane. Donc, il y a des pluies, des lacs, des rivières. Et ça, c'est une lune qui est pas très, très, très loin. On va faire des missions sur Titan avec des drones hélicoptères dans les années 2030. Ça va être incroyable. Et ça, c'est une image de James Webb que vous voyez, qui a pris une image de cette lune. Et on peut voir des nuages. Vous vous dites, bon, ok, là, l'image est floue, c'est pas incroyable, mais je peux vous dire que c'est absolument fou de voir ça depuis le télescope, parce qu'on perce en fait la couche atmosphérique de Titan qui est très épaisse, et on voit quelques reliefs, on voit des bouts de nuages, etc. Et ça nous donne des premières informations pour justement. On dirait la Terre floue, genre avec du jaune, des verts. Ouais, ça m'a l'air bon, hein, tout ça là. Ouais. C'est bon qu'on creuse. Et Titan, c'est loin de Paris ou... Ouais, faut quelques années pour y aller. Hein. D'accord, ok, bon, c'est pas pour demain alors. Mais j'avais une question. Du coup, ouais, vas-y. Genre, toi qui suis l'actu spatiale, etc., et Tommy a dit c'est la meilleure époque en termes de spatial et tout, enfin d'espace, pardon. Est-ce que tu penses que le progrès en termes spatial, genre, il va continuer en ce sens et à progresser, genre, vraiment énorme? Genre, toutes les 20 ans, on va savoir faire des choses de plus en plus dingues, ou alors tu penses à un moment, ça risque d'être un peu capé? Alors, c'est une question difficile, je pense que t'as pas forcément que toi la réponse, mais toi qui suis l'actu, est-ce qu'il y a des dingueries qui arrivent, genre? Alors, on est clairement à une époque charnière, dans le sens où le but de l'industrie aujourd'hui, c'est de faire baisser les coûts de l'accès à l'espace. Un peu comme l'aviation, au tout début, quand on avait les premiers avions, ça coûtait ultra cher de faire à Paris-New York, etc., et que c'était réservé vraiment limite aux professionnels ou aux gens ultra riches. Mais là, le but, c'est de faire casser cette barrière et de rendre l'accès à l'espace le moins cher possible. Alors, on en est très très loin, mais... toutes les entreprises et on va dire les agences sont en train d'essayer d'aller dans ce sens-là. Donc effectivement, peut-être que dans 20 ans, on aura avancé de ouf dans l'espace, dans la construction en orbite, dans les voyages vers la Lune, voyages vers Mars peut-être, dans le tourisme spatial, c'est autre chose, hein, ça c'est plus complexe. T'inquiète, il y a Patrick sur le sujet. on en avait déjà parlé sur Popcorn. Mais oui, effectivement, ouais, on est dans une époque très charnière et toutes les semaines, il se passe des dingueries et rien que la semaine prochaine, là, peut-être que le Starship d'Elon Musk va décoller avec, on ne sait pas, peut-être réussite ou pas, mais ça nous promet, si ça marche, en tout cas, une nouvelle révolution. Ouais. Ok. Une dernière image qui est assez incroyable de James Webb. Alors, ce n'est pas la plus impressionnante, mais c'est la plus intrigante. Ça fait un an et trois mois que le télescope est dans l'espace et James Webb, il a sorti ces images-là et ça a bouleversé un peu le milieu scientifique puisque ce sont des galaxies extrêmement anciennes, justement. Des galaxies qui sont là, qui sont très, 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 très jeunes par rapport à l'âge de l'univers. Donc, observé il y a 13 milliards, enfin,
une lumière qui nous vient d'il y a 13 milliards d'années. Oh, et elles ont la forme de galaxies spirales barrées, comme notre galaxie à nous. Et ça, c'est un gros problème pour nous, parce que dans notre modèle de formation de galaxies, les galaxies qui ont cette forme n'ont normalement pas encore été matures, ne sont normalement pas encore là. Et là, James Webb nous dit non. Moi, ce que je vois il y a 13 milliards d'années, c'est des galaxies qui ont déjà des formes de spirales barrées. Et ça, il faut maintenant comprendre pourquoi. C'est le travail des astronomes, hein, moi je ne sais pas du tout. Et ça pourrait changer la manière en fait, dont on conçoit les conditions primordiales de l'univers. Donc ça pourrait être un game changer de ouf. Mais c'est quoi le problème du coup exactement, je n'ai pas trop compris. Quel est le souci en fait, de normalement, les galaxies, quand très jeunes par rapport à l'âge de l'univers, elles ne se seraient pas déjà formées en spirale barrée. Ce serait plutôt des masses un peu plus informes en fait. Et là, on voit des galaxies qui sont déjà bien formées, comme notre Voie lactée. Et ça, c'est un problème dans notre modèle de formation des galaxies, parce que normalement, ça ne devrait pas être le cas. Ça veut dire que ça remet en question un peu tout ce qu'on avait imaginé sur la construction de... Peut-être pas de l'univers, ouais, mais effectivement, des galaxies de l'univers, etc. Ça remet en question. Il va falloir faire beaucoup d'autres mesures, bien sûr, parce que c'est toujours compliqué dans l'astronomie. Il faut toujours recroiser les données, refaire des mesures. Mais effectivement, James Webb a pour but de répondre à cette question, comment se sont formées les premières galaxies. Et les premières réponses qu'il nous donne, eh bien, ça remet un peu en cause nos modèles de formation. Donc, c'est assez excitant pour les astronomes. Ça ne peut pas être une erreur de James Webb. C'est-à-dire que ça pourrait être une erreur de James Webb. En fait, ça pourrait être que la galaxie, elle est beaucoup plus proche que ce qu'on pensait, et du coup, elle n'est pas si vieille que ça. Donc, il va falloir refaire des mesures sur d'autres endroits, etc. Puis, si on en retrouve d'autres, et qu'on croise, là, l'erreur, ce sera plus une erreur, ce sera le cas. Okay. Je vois, pardon Hugo, des gens qui n'ont pas spécialement compris là, juste cette explication sur c'est quoi le problème. En gros, entre guillemets, une galaxie dite jeune, enfin en mode. Oui, pour la. Il y a 13 milliards d'années, ouais. Les plus jeunes galaxies de l'univers. Ouais, doit y avoir des petits bouts partout, alors qu'en fait, James Webb nous dit que non, elle est comme nous en spirale, quoi. Ça, c'est pas normal. Ouais, exactement. Ok, c'est ça. D'accord. Et du coup, ça. On sait pas pourquoi, mais ça pose des questions de. On s'est peut-être planté quelque part. C'est bizarre. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, je sais pas, moi dans cette chronique, je prends des informations. Je prends le savoir, donc si vous voulez, je me pose des questions. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut se dire, merde, c'est pas normal, non. Ça remet tout non, parce en cause? Non, parce qu'on va pas exploser. Voilà, c'est qu'en gros, juste, on se dit c'est bizarre, tu vois. Parce qu'en gros. Oui, parce que ça remet en cause. Est-ce que c'est lié au Big Bang? Ça remet en cause les connaissances, c'est ça. Parce que j'avais lu un truc comme quoi, justement, James Webb. Alors peut-être que j'ai lu de la merde. mais James Webb, justement, les différentes images avaient remis en cause nos théories du Big Bang, etc. Il y a eu ce genre d'article. C'est de la merde? Alors, le Big Bang, non, pas forcément. Okay. Mais effectivement, en fait, ça, c'est dans la chronologie de l'univers, lui, il cherche donc, la formation des premières galaxies, des premières étoiles. Et nous, on avait un modèle bien établi avant ces observations. Et ces premières images, en fait, elles nous montrent qu'on n'a peut-être pas tout bien compris et qu'il va falloir qu'on revoie comment se forment les galaxies. Mais ça veut aussi dire qu'on va devoir revoir ce qui se passe un peu avant. Ok. Ah ouais. Donc, alors, sans remonter peut-être au Big Bang, mais ça, effectivement, il y aura des choses à revoir. Ouais. Ok, très bien. Pardon, Tommy, je t'ai peut-être coupé la parole. Non, pas du tout. Non, très bien Hugo, écoute, honnêtement, j'avoue que c'est tellement... passionnant, en vrai, même si tu t'intéresses pas forcément, je dirais, ça, tu devrais, et surtout de comprendre, parce que tu devrais t'intéresser. James Webb, mais vas-y, je vais le faire, du coup, pas de bruit. mais c'est vrai que comme c'était un peu l'actualité spatiale et tout, c'est grave intéressant d'avoir toutes les informations, parce que moi, il y a beaucoup de choses que je comprenais pas. En fait, ce que j'arrivais pas à comprendre, c'était... Pourquoi, entre guillemets, c'était aussi fou? Moi, tu sais, tu me montres les images, je suis en mode, ouais, d'accord, c'est des points sur une carte. Non, tu vois. Mais c'est ce que je dis, c'est parce que tu, quand t'es pas. Oui, mais quand t'as pas les explications autour. Voilà, quoi. Pas, ouais, le contexte. Donc là, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, c'est impressionnant de voir qu'en fait, on est des bouffons face, face à l'univers. Ah, on est minuscules. En 4K en plus maintenant. vraiment. C'est quand même dingue. Et d'ailleurs, si vous voulez. Si vous voulez voir toutes les images, et je pense au chat, si vous voulez voir les images en giga grosse qualité de James Webb, il y a un Flickr directement du télescope où ils mettent les dernières images de toutes les semaines, ils en mettent des nouvelles, etc. Et vous pouvez les télécharger en 4K, etc. Et vous régaler à explorer, explorer ça. Incroyable. Non, bah écoute, Hugo, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de tout ça. Ça aurait été avec plaisir de t'avoir. Prochaine fois, tu seras en plateau avec nous. Mais à chaque fois, de toute façon, que tu viens nous parler d'espace, c'est vrai que moi, c'est clairement un domaine où je vois parfois un peu ce qui se passe. Si, dernière info, en fait, je vois des titres passer et je demande à Hugo ensuite à quel point c'est vrai ou quoi. C'est quoi le truc de trou noir qui avale tout là? Il y en a un nouveau là, non?
Non, tu parles du. Il y a un trou noir récemment. Alors, c'était sur une photo Double, on a vu un trait. Et on s'est dit, ah, c'est quoi, c'est bizarre ce trait-là. C'est quoi, c'est un problème du télescope. Et en fait, non, c'est un trou noir qui a été éjecté de sa galaxie hôte. C'est-à-dire qu'il y a eu une fusion de galaxies. Et généralement, dans une fusion de galaxies, les deux trous noirs fusionnent, ce qui fait bon, un truc de fou. Mais là, apparemment, il y a eu. Alors, je crois qu'il y a eu trois trous noirs qui ont fusionné. Et il y en a un des trois qui s'est barré, en fait. Qui a été éjecté. Il a dit non. À une vitesse de fou. Il y a un trou noir qui était contre le trou. Il est parti. Non, ça m'intéresse pas. C'est un peu ça, ouais. Et il a entraîné avec lui une traînée de, bah, d'étoiles, de planètes et tout. Donc, ça fait. Ça doit être un truc assez incroyable c'est à voir. C'est dans une galaxie, ça ? C'est où ? Non, c'est pas dans notre galaxie. Port de la Chapelle. C'est très très loin. Nous, notre trou noir central, il va très bien, il est calme, risque. Mais comme quoi, c'est vrai qu'il se passe tellement de choses d'un point de vue espace et tout. Hugo, merci énormément. Si jamais vous voulez plus d'infos aussi, n'hésitez pas à suivre sa chaîne YouTube, hein, Hugo Lisoire. Et on se dit à une prochaine de toute façon sur Popcorn. Merci frérot. Ciao, ciao. Ciao Hugo. Merci à vous, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée. Et, incroyable. Mais, toujours un régal. Je sais en plus, Tommy, que toi, t'es passionné. Moi, j'aime trop, dans son même Hugo, j'aime trop. De l'espace, je me suis dit à Tommy. Je sais pas du tout que t'étais passionné. Ah ouais, non mais. Je suis un. T'es un zinzin de l'espace, tu dirais ? Je suis un zinzin de l'espace, mon pote. Oh là. Ah, je l'ai placé. Non, mais en vrai, c'est passionnant. C'est vraiment. En fait, plus tu creuses, plus tu vas vouloir te renseigner, plus tu te rends compte qu'on sait rien. Et plus tu sais rien, plus t'as envie de savoir. Et c'est un espèce de cercle vicieux sans fin, tu vois. Et au final, je te retrouve à suivre un petit peu tout ce qui se passe et être à fond dedans. Et vous devriez, franchement, jeter un œil. Peut-être si tu pouvais aller dans l'espace tirer du coup. Je donne tout ce que j'ai pour y aller, ouais. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Moi, je donne tout ce que j'ai pour pas y aller. Ça me fait peur. Moi, j'ai la phobie des fonds marins et de l'espace. Et du coup, c'est des grands vides. Fonds marins, je suis d'accord avec toi. Ah, fonds marins aussi, t'as la phobie ? Ah, les fonds marins, c'est... Ah ouais, non, c'est terrorisant, les fonds marins. Ouais, je comprends. Vous ne verrez jamais en OP, je plonge. J'ai vu récemment qu'ils avaient trouvé un poisson genre à moins 6 mm, une connerie comme ça, genre une dinguerie. Ah ouais, non, c'est les abysses là. C'est fait pour rester dans l'espace. Tu sais qu'il n'y a rien de façon en vrai, en général. Je sais pas, tu peux croiser une bagnole d'Elon Musk. Il y a du trafic maintenant. Ça bouge, ça bouge maintenant. On ne sait jamais trop. La MIF, il est quasiment 22h. Oh là là. On a parlé de plein de choses ce soir. On va se laisser, mais avant ça, on va jouer quand même ce soir en plus. On a un petit panel ce soir. On est parti. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Théo Clément, le maître. Ah, je vois que vous êtes tout ambiancé pour j'ai ce panel. Le oui. Non, je rappelle le principe rapidement. On a posé des questions aux gens sur Twitter. Vous allez être deux équipes, Tommy, pardon, d'un côté, Gigi et Zach de l'autre. Ouais, c'est simple, gars. Vous allez devoir trouver les 6 réponses les plus données par le panel à chaque question. Le nombre de pourcentage de gens qui ont répondu, c'est le nombre de points que vous allez marquer si vous trouvez. Ouais, et d'ailleurs, au passage, on s'échoue parce qu'à chaque fois, on pose des questions sur Twitter et en fait, c'est les 10 000 premières personnes qui répondent. Et ensuite, le sondage se ferme. Donc, dernière fois, j'ai vu sur Twitter des gens qui voulaient répondre. C'est un échantillon de 10 000 personnes, quand même. D'accord. Sur le Twitter Popcorn. Donc, il y a quand même un bel échantillon. Et je crois, Zach me disait justement qu'il était sur 3 wins de suite dans les jeux Popcorn. Et oui. Avec un certain flex avant que l'émission démarre. Donc, plus, à chaque fois, on était un peu ensemble, tu vois. On réussissait un peu, tu vois, le gang, les mecs qui aiment bien Lyon et tout. Là, on est là contre. Là, on est frères ennemis, mon pote. Là, je peux te dire que là, ça va juste te soulever. Oui, je suis un vaincu. Oh! J'avais gagné. J'avais gagné, je suis venu une fois, j'ai gagné. Ouais, bon, t'as une victoire. Je peux dire que ça va continuer là. On est parti. J'ai un vaincu aussi. Messieurs, la première question. On a demandé au panel, c'est qui le premier créateur de contenu qu'ils ont regardé sur Internet? Tout simplement. Qui commence? Attends, on va faire un Shifumi. PA Gigi, faites-vous un Shifumi. Vas-y. Ah ouais? Vas-y. Shifumi. Ah, t'es bon. T'es on prend la main. Gigi, Zach. Faut qu'on discute. On a demandé au panel le premier créateur de contenu que vous avez regardé. Ah oui. Moi, j'irai, ouais. D'instinct, vous avez quelque chose ou pas, les gars? Bah, on dirait Cyprien. D'instinct, Cyprien, vous verrouillez ça? Ouais, vas-y. C'est une bonne réponse. Ah. C'est dans le panel. Et c'est 22 points, 22%. C'est classique. Il me dit que les propositions. Il a un truc de genre, tu vois. Je sais. Ouais, parce que c'est vrai que. En vrai, ça l'ancienne quand même. Hein, Ouais, ça peut. Que... Ouais, vas-y. Dis-le toi. Je te laisse te dire, je m'en vais de la cam, moi. Squeezie! Je pas dit. Vous dites Squeezie? Oui, on dit Squeezie. Squeezie est bien dans le panel. Deuxième position. Ah, si, tu vois, 12% des points. Il y a plus beaucoup de points. Diablo X9. Ouais, Diablo X9, on va tenter Diablo X9 parce qu'on est à l'ancienne, quoi. Non, jamais. Non, jamais. Ça a Diablo X9? Ouais, bah on a l'ancienne, premier créateur, ça fait longtemps. Diablo X9, il est
dans le panel. Troisième position. Ouais, voilà. Le retour, hein, le retour, ça a fait du bien. Oui. Parce que toi, Thomas, t'avais une bonne idée, mais je pense que les gens, avec tout ce qui se passe, tu le cites pas naturellement. Oui, oui. Tu vois. Non, mais nous, on est pareil. Il me dit, il a fait. Attends, attends. Ouais, je pense pas. Naturellement, les gens se disent pas. Bah, moi, c'est Norman. Hein, qui m'a fait découvrir Internet. Tu vois, genre. Je pense qu'il. Après, les gens répondent de manière anonyme. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, oui, bah. Okay, bah, bah, bah un groupe de soutien. Répond depuis Florimé Rogis. Viens, pour comment après, c'est pas. Il y a pas d'embrouille, les gars. Enfin, je veux dire. Moi, je vais. Viens, le dis pas. Viens, le dis pas. Mais vous l'avez dit, gars! Gotaga! Oui. Oh, Gotaga! Gotaga! Gotaga est pas dans le panel. Oh, il était en 7ème position pour tout vous dire. Ah. Oh là là! Mais du coup, là. Oui. Ouais. C'est à nous ou c'est à eux? C'est à vous, Gigi. Ah bah, nous on dirait, tu sais quoi, pour pas citer le N, on va dire Mister V. Mister V? Ouais. Il est pas dans le panel. Quoi? Non mais si, parce qu'en vrai, c'est abusé. Non, mais c'est niche. Mais non. Viens, on le dit, Norman. Vas-y, vas-y. Norman fait Norman, des Norman, vidéos. Vous dites Norman? Oui. Oui. Norman est dans le panel, 6ème position. Ouais, ouais, ouais. 3%. Un petit 3. Prends 3 points sur sa gueule. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Les deux derniers sont pas simples, je dois l'avouer. On a le droit d'avoir attends, des excuse-moi, je me permets de demander, est-ce que ce sont que des créateurs francophones? Ah, bonne question. Il s'agit uniquement de créateurs francophones. Ah, voilà, parce que ça change tout. Ah oui. Mais des mecs qui ont été vraiment mainstream. Ouais, mais c'était pas. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Déjà, je suis impressionné qu'il n'y ait pas Mister V. Non. Ouais. Ce parce qu'il y avait les crews. Les crews, c'est ouf. Ouais. Zach, Gigi. Tu veux qu'on dise quoi, Hugo, tout seul? Mais c'est pas. Oh, non, c'est trop à l'ancienne. Moi, je pense que c'est trop à l'ancienne. Vas-y, sors le nom que tu veux. Pff, ouais, j'en sais rien, frère. Bah, tu sais quoi, un nom gaming, peut-être que les mecs. Masterclass, y a pas de vrai. Masterclass, vous êtes finito. J'allais dire DigiDix, mais bon. On en a un trop bien, nous. Pas mal, en vrai. Oh, jouez les gars, on a dit Zach, on a réussi. Non, mais je meuble, on a des problèmes d'overlay, mais tranquille, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, voilà, c'est parfait, on meuble. Non, mais par contre, tu me fais une réponse, les gars. Bah, DigiDix, on va dire. C'est non. C'est non. Ah ouais, d'accord. Après, alors, du coup, j'ai pas les overlays, mais je crois que c'est votre troisième mauvaise réponse, du coup, n'est plus. Ah non, c'est notre deuxième. C'est bon, ok, c'est bon. Et nous. À 3, 1, 2, 3. Rémi Gaillard. C'est non. Quoi? Oh, il l'a fait. Non mais c'est quoi le public qui a voté, gars? Faut dire. Rémi Gaillard, les petites vidéos de tricks, en vrai, il était chaud. Attends, Monsieur le V12. C'est non. C'est non. Moi, je vais faire une théorie, mais à mon avis... Non, mais lui, il m'a dit Aldaria. Franchement, je vous le dis, les deux derniers, c'est gaming. Ils ont la culture de l'instant. Ah ouais, et eux, ils ont le droit pour le dernier. Ah ouais, bah c'est super. Rémi Gaillard et tout, ils ont zimpé. Le service maison pour... À ceux qui peuvent encore penser à l'instant-ci. Ouais, mais c'est pas la culture de l'instant, mon pote. Et Pierre Sifano, parce que ils a dit. Après Minecraft, frérot. Et Pierre, j'ai envie de le dire. Et Pierre. On le tente. Et Pierre. C'est non. Moi j'aurais dit Fanta après si on avait pu, mais. Cette fois-ci, vous êtes tous à 3 croix rouges. Je vais vous dire la suite. Vas-y. On a 33 points. En 5ème position, il y avait Sifano. Non, mais si Alderia, je vais pas vraiment. Fallait aller le chercher, Sifano. C'est sûr, va y avoir. Fallait aller chercher. Et en 4ème position, honnêtement, je pense qu'il était accessible. C'était JDG. Ah, JDG. Oh non, on est désolé pour JDG. C'est vrai, putain. Ok. Bon, vous avez le principe, c'était la question de chauffe. Très bien. D'un côté, on a une équipe à 33 points, de l'autre, on a une équipe à 15 points. C'est qui? Bah, c'est nous, hein, les 33. 33, c'est Gigi Zach, ouais. 15 points. Mais c'est pas grave, hein. On n'a pas commencé, tu vois, c'est. Ouais. Dans le jeu, on peut facilement monter. Il y a le temps. Okay. On a demandé au panel, c'est quoi le pire sport à regarder à la TV? Waouh. Wow. Tommy, PA, ça vous de répondre. Le sport francophone, c'est une sale idée là qui lui est venue en vrai. Les gens vont dire genre curling, un truc comme ça. Enfin, un truc bien chiant, un truc bien long là. Franchement, moi j'aurais. Vas-y. Ça va faire mal au cœur à des gens. Vas-y. Et moi personnellement, j'aurais voté par exemple, je sais pas, le cyclisme. Ah, c'est pas mal le cyclisme, parle pas mal. Ouais. Est-ce que vous validez le cyclisme? Non, on valide pas. Je pense on valide pas quand même. Ouais, mais dans la je vous laisse 10 secondes. Attends, hein. Attendez, qui a fait le sondage? C'est Popcorn? C'est oui. Le compte non, Popcorn. Non, tes viewers ils aiment trop Popcorn. Non, un autre truc. Curling, vas-y. Oh, l'overlock est revenu. Curling? Ouais, vas-y, curling. Curling? Le curling est dans le panel, c'est pas la première position, c'est pas la troisième, mais c'est la deuxième. On prend. Mais c'est pas ça fait 12 points. Parce que les gens de base se disent c'est chiant. Oui, mais oh, vas-y, on va dire le cyclisme, nous. Vous vous dites le cyclisme est dans le panel, c'est pas la première position, c'est pas la quatrième, c'est la troisième. Bon, ça va. Ça va. Très bien. Qui regarde le handball? Ouais, mais tu penses pas en fait. On est bon hand. On est bon hand, donc c'est pas chiant parce qu'on a gagné beaucoup de titres. Les sports co, on est bon. Tu te. Non, un truc vraiment chiant, mec, un truc où vraiment. La pétanque? Non, c'est trop la cote. Ouais, mais non, les gens. Tu regardes la pétanque? En vrai, sur l'équipe, à un moment, c'était pas mal. Alors, les gars? Après, j'aime bien le sport, moi. Non, mais est-ce que c'est pas genre biathlon, les trucs vraiment longs, tu vois? Est-ce qu'il y a pas des rageux, ils ont répondu le foot? Et Zarman, il faut que. Non, mais non, pas c'est possible, c'est trop dans les anti-foot. La pétanque, tu dirais quoi? 10 secondes, les gars. La pétanque, vas-y, on envoie la pétanque. La pétanque? La pétanque est dans le panel, c'est une 4ème position. 10 points. C'est bien. On est en sport de merde, mon pote. Bah, nous, on va tenter le golf. Ceux qui font de la pétanque, évidemment.
On va tenter le golf. Gigi, Zach, c'est le golf. Ouais, on tente. Le golf est dans le panel et il a une très bonne position puisque c'est la première avec 16 points. Oh, mon gars ! Le golf, c'est vrai que c'est... T'avais dit le golf, toi. C'est lent, le golf. Qu'est-ce qui... Formule 1, genre, truc comme ça. Non, Formule 1, les gens surkiffent. T'as, tu vois ? Les gens... Non, mais en vrai, le hand, toi, tu penses ? Attends, qu'est-ce qu'il y a de long ? La fouine, il a dit, personne ne te regarde comme le handball. Allez, on prend le hand. Fouine, babe, nous a... Le hand ? Il a dit, personne ne te regarde comme dans, le handball. C'est pas dans le handball. Non, le hand, on gagne. Le hand n'est pas dans le panel. Ouais, c'est en fait, sûr. Tu mets toute la responsabilité sur toi. Après, mais tes viewers, ils vont me détester. Ils vont dire, regarde, Tommy, il a fait perdre Domingo. Oui, c'est un peu le cas. Bah, nous, on tente un petit truc, on va dire, tu vois, sport d'hiver, le ski, quoi, le ski, Osef. Oh, le ski large, quoi. Pour les gens. Tout ce qui est autour de la neige. Tout ce qui est autour, tout ce qui est enneigé, quoi. C'était Booba, au fait, hein, qui parlait du hand. Pas non, n'importe quoi. Bah, apparemment, le chat le dit. Voilà, moi, aïe, aïe, aïe. On te regarde comme le hand. Ah, si, si. Ouais, mec. Voilà, c'est Booba. Ah, Booba, non, la fouine, il a dit. Ouais, non. Je me sens pas obligé de dire la fouine. Zach, ouais, bah, on a dit le ski, du coup. Enfin, le ski, le sport. Le ski de, sport c'est, de... c'est non. C'est non, ok, ça marche. Non, mais là, il faut... Tu parles plus, tu te débrouilles. Vraiment, sport à chier. Il me bouge. Enfin, un sport vraiment. Un sport. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut y penser quand même. Moi j'en ai un, mais bon, je le dis pas. Vas-y, dis, on est ensemble. Moi j'ai pas d'idée, je suis nul à ça. Moi j'aurais dit la Formule 1. Ah, il va le dire. Vas-y, dis-le. Il va le dire, dis-le. Dis-le, hésite pas. On a pas dit la Formule 1, c'est quoi qu'on avait dit juste avant? Le handball. Non, le hand, on a dit le hand, on a déjà une mauvaise réponse. Attends, mais c'est pas un sport là, c'est tic-tac. Ping-pong, badminton, c'est sympa. Il répondait sous forme de sondage ou il répondait en écrit? Tu choisis. Non, t'écris la réponse. Mais bon. Donc, du coup, c'est l'interprétation. Ouais, on va. C'est le divertissement. La Formule 1. On va dire Formule 1. La Formule 1. Vous pouvez me le dire ensemble pour valider la réponse? La Formule 1. C'est non. Non, mais c'est pas grave, on se donne du temps. La course à pied. C'est non. Ah bon, parce que le délire marathon et tout, c'était bien. Ok, laisse-nous réfléchir. Je me suis dit, Johan Diniz dans le froc et tout. Ouais, c'est vrai que la course à pied, c'était pas mal. Hein. Mais en fait, c'est pas la dinguerie. Comme sport où vraiment, tu te dis. Là, tu zappes. Mais en fait, faut. Après, vous cherchez des réponses qui ont été données par moins de 10% des gens. Bah, c'est ça, quoi. Donc, il faut considérer que ça peut être des sports très mainstream, appréciés par la plupart, mais moins de 10% des gens les détestent. Tennis, en vrai, c'est chiant. Tennis, c'est lent. C'est dans le panel. 6ème position, allez, 5%. Allez. Oh, pardon, pas de soucis. Pardon. Basket. Tiens, je propose. Non, basket, il y a des gens qui ont mis. Un petit 5 points. Non, on revient. Pas... Basket, volley. Ah non, basket, ça m'étonnerait quand même. Les gens n'ont pas de respect volley quand même. Peut-être. Non, après, personne répond volley avant tennis, c'est sûr. Non, tennis, c'est dramatique, hein, je pense. On a quoi, genre le kayak. Attends, non, mais attends, alors franchement, je connais la Kobe Popcorn, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait foot. Non. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire par la Kobe Popcorn? Moins de 10%. Non, merci, non. Qu'est-ce que tu insinues? Bah, c'est celle qui est pas devant Manchester City Bayern ce soir. À la limite, le 5, mais pas foot, quoi. Non, mais j'en sais rien. Là, on va avoir une réponse en 5 secondes, messieurs. Non, attends, et tu leur as laissé 10 ans là-bas en face, on peut parler, non? Attends, de quoi? Ça m'étonnerait même pas. Genre, des rageux, ils ont dit. Genre, que un mec sur 20 dit football, c'est si. C'est impossible. S'il vous plaît, la régie, le chrono, c'est que pour les petits. Je te laisse, c'est ton call. Bon, et je vais dire. Gigi Zach, s'il vous plaît. Bah, il veut dire football, on va dire football. Allez, non, on n'y croit pas. Ouais. Football? Ouais, non, on n'y croit pas. Et bah, c'était la bonne décision. Oh là là. 6% des voix. T'as vu la notion? On est ensemble. Ah, bah, je te respecte. Et, mais c'est un monstre. Hein, contre, il est on parle plus jamais comme ça de la Covid Popcorn. Ok. Non, mais c'est la Covid Popcorn. Big love envers vous. Je vous kiffe. Mais je sais pas, je vous sentais que le foot, c'était peut-être. Bah, les 6%, parce que c'est vrai que. En plus, 6%, c'est un mec sur 20. Ouais, c'est vrai. Un mec sur 20 qui. Faut suffisamment de gens, en fait, qui pensent au même truc. Parce qu'il y a il doit y avoir des sports inconnus, tu vois, là-dedans, genre le tir à l'arc. Ouais, parce que nous, on mettait plein de... Ouais, des gens qui c'est insane. Tir à l'arc, c'était 1,2%, je crois. Ouais. Le basket, c'était combien? J'ai pas la stat, mais il me semble que c'était moins d'1%. Non, personne. Ouais. Tout le monde adore. Le basket. Ouais, le basket. J'organise un event bientôt. C'est génial. Question suivante. Sur les points, vous avez toujours une petite vingtaine de points de retard. On a demandé au panel la collection qu'on commence quand on est petit. Et c'est à Gigi et Zach de commencer. Bah nous on va dire les cartes. Vous avez commencé les cartes à collectionner quoi, les cartes Pokémon, tout ça quoi. Lesquelles? Pokémon. Ouais. C'est dans le panel et c'est évidemment la première des réponses. Ouais, 35 ouais. points. Bah attends. Les cadeaux ça. Les cadeaux là. Moi je dirais Panini. Yu-Gi-Oh. Ah. Oh putain je leur donne. Oh bâtard. Vas-y continue. En vrai Panini. Panini Yu-Gi-Oh. Panini tu sais tu collais les joueurs de foot et tout. Ouais mais t'as vu Pokémon Yu-Gi-Oh. Alors que Panini c'est pour moi c'est une autre catégorie après. Non filet. Ah mais du coup. Vas-y t'es quoi écoute ton cœur. Vas-y les cartes Panini. Les cartes Panini. Les cartes de joueurs de foot. C'est dans le panel. C'est dans le panel mais c'est en 6ème place. Ah putain ça fera 3 points.
Tu faisais pas, tu faisais Yu-Gi-Oh toi? On passe à ça. Vas-y, c'est quoi, nous on va dire les cartes Yu-Gi-Oh. C'est trop dingue. Et ben c'est mal payé parce que c'est pas dans le panel. Tu vois, c'était sûr, c'est trop flingué. 35-3, les billes. Ah mais les billes. Oui, les billes. Ah oui, les billes, les billes, les billes, les billes, les billes, c'est dans le panel, deuxième place. Bah oui. Ouais, mais bon, la différence de points. On vous laisse le reste. C'est quoi, nous on va, je vais tenter, on va dire une collection de pièces. Pièces? Ouais. C'est pas dans le panel. Un enfant de 38 ans peut-être, frérot. Ouais, c'est vrai que. Des pièces? Bah des billes, frère. De timbre. Des billes, on tape aux billes. Personne n'a jamais joué aux billes. Oh, putain, j'ai les pogs. Ta gueule. Des pogs en bas. C'est normal. Voilà. Oh, les Toupie Blade. Les Blade Blade. Les Blade Blade. Cette erreur, ça a duré suffisamment, ça? T'en as eu, toi? Bah oui. Oh, les hand spinners. Pour les jeunes. Ouais, mais il n'y a pas eu. Tu vois, quand on était petit, ça va leur parler. C'est un peu des gens de notre âge, quand même, Popcorn, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, petit, t'avais quoi, toi? Yu-Gi-Oh, c'est pas passé. Beyblade. Vas-y, frère. Vas-y, Toupie Blade. Mais Pog, hein. Pog, moi j'ai eu Pog, c'était pas ma génération. C'est Pog ou Beyblade? Ou autre chose? Non. Je sais pas trop, j'ai jamais joué à ça en fait. Je connais pas Pog. Le Pog, tu fais pas ça, mais tu connais pas Pog, mais tu connais Beyblade. Ouais, Beyblade, Beyblade, Beyblade. Vas-y, on le tente. Ouais, c'est pas dans le panel. Les Toupies. Bien sûr. Ah, non, allez, les Pog. Nous, on se termine les Pog. C'est pas dans le panel. Allez, voilà. Ok, donc là, on peut répondre. On a encore deux propositions. Qu'est-ce que tu peux collectionner? Tu collectionnes. Ils sont out là, eux? Ouais, ils sont out. Les timbres, c'est un peu. Tu fais pas ça petit, quoi. Un enfant de 60 ans encore. Qu'est-ce que tu collectionnes quoi, frère? J'ai collectionné. Ah tiens! Je me rappelle, il y avait des pubs qui passaient à la télé où, genre, le premier article était à 1€, puis après il était à 5, puis après il était à 10, ça montait. Les Lego? Les trucs genre les. Lego, c'est pas mal. Ah ouais, la fameuse... Moi j'avais une pensée, mais un peu sombre. J'avais un gars dans ma classe, il collectionnait les crottes de nez, mais je sais pas si ça. Je sais pas si ça. C'est public de popcorn ou la collection de chiches? Aïe aïe aïe. Je sais pas si. Non, mais vas-y, Lego, c'est bien. Non, c'est, non, c'est Playmobil. Non, mais c'est pas bien. Ils ont dit quoi, les gars? C'est quoi, les gars? Playmobil, Playmobil. Non, c'est mauvais call. Playmobil. J'y crois pas. Ils ont dit Playmobil. Bon, c'est pas... si vous n'êtes pas d'accord, je peux pas valider la réponse. Playmobil. Allez, je suis d'accord, mais j'y crois pas. Playmobil. Bah, t'avais raison de pas y croire, c'est pas dans le panel. Ça bah, oui. Mais Lego, du coup, mais t'as. Hey, je collectionne pas, c'est un truc. Allez, Lego. Lego. Viens, c'est quoi? Viens, on dit timbre parce qu'on va dire que peut-être qu'elle a connu. Ouais, vas-y. On a mal compris la question. Collection timbre. T'as vu? Timbre. Ouais. C'est dans le panel, bien sûr. Voilà, très bien. Mais toi, tu comprends les choses, toi. Mais après, t'as osé me dire, les mecs, ils ont 68 ans, frère. Les trucs de timbre. Je suis un joueur de RP, j'arrive à me mettre dans le RP. Il est très bon, il est très bon. Excusez-moi, juste parole à ceux qui jouent encore. Parole à ceux qui jouent. On va prendre la 40 points d'avance, mais tranquille, les gars. C'est pas une compétition. C'est Pokémon qui est l'arnaque. Ouais, bah fallait premier. Il en reste un. Qu'est-ce qu'on peut avoir derrière? Attends, remets, il reste deux propositions, 4 et 5. Collection de voitures. T'es très gentil en termes de technique. Mais ouais, les voitures. Tu collectionnes les petites voitures. Les petites voitures. Ma gueule. Les petites voitures. C'est non. Alors, je t'ai eu, hein. Ah, les deux derniers étaient pas c'était simples. C'était quoi? Alors, le chat l'a beaucoup dit. C'est quoi? En effet, c'était dans le panel, les fèves en cinquième position. Wow, d'accord. Les énormes fèves. Des rois. Les fèves, ouais. Et alors, en quatrième position, je suis désolé pour ceux qui l'ont fait, mais les cailloux. Voilà, apparemment... Putain, j'allais dire les pierres. Il n'y a pas de budget. En force, en force. Collection de cailloux, quoi, ça... Voilà. Sobre. Bah voilà. J'y retrouve tout. Question. On peut encore remonter là. Il reste plein de questions, t'inquiète pas. Les feuilles d'idole. Oh non! Ah oui, c'est vrai! Avec le petit lapin? Où ça sentait bon là? Oui, oui, mais tu sais que ça, je crois que c'est une dinguerie maintenant, ça se vend ultra cher. Ouais, Diddle, ça vaut la blinde. Ah ouais, c'est allemand. Renseignez-vous si vous en avez à la maison. Oh, les feuilles Diddle, on va si jamais, Vendez! Bon, question suivante, on a demandé au panel les choses que savent faire les bons chiens-chiens. Hein? Oh, vas-y. Oui, on l'a vraiment demandé ça. La première à 1000 points. J'en peux plus, j'ai. Moi, je vais dire, j'ai une théorie. Moi. J'aurais dit, ah si, mais ils y pensent aussi de toute façon. Oui. Mais t'as vu le bon chien-chien ça... Moi j'ai trois chats, frère. Ça me fait penser à faire le beau. Bon chien-chien. Faire le beau. Ouais, tu refais. C'est pas mal. Moi j'aurais dit, ramène la balle. Tu peux faire le beau? Non, c'est ça, c'est loin après. D'abord c'est assis. Attends, leur dis pas tout, leur dis pas assis, tout. Vas-y, bon nous on prend les infos. Assis. Allez, ça part. C'est assis pour vous? Ça pourrait être le premier aussi. Hein. C'est vrai que faire on joue la première place. Non, il se chie dessus. Les gars, il va me faire une réponse. Tu prends totalement le contrôle sur notre duo, Tommy. Je dois t'avouer que genre. Clément, je suis désolé. J'ai pas le timer là parce que. Non, mais j'ai un charisme à côté de moi. Je n'arrive pas à gérer tant de charisme là. Alors, soit c'est assis, soit c'est autre. Bon, Gigi, tu l'as fait. Le mec me dit trois propositions. Soit c'est assis, soit c'est autre. Assis ou faire le beau, choisis. Assis. Allez. Assis. Quatrième position. Eh ouais. Donner la patte. Donner la patte. Ouais. C'est dans le panel et c'est une première. Bah fois. Oui. Évidemment. Faire le beau, donner la patte, même combat. Arrête. Oui, même combat, oui. Ramener la balle. Deuxième position. Voilà. Ok, on revient. On a besoin d'aligner nos karmas là. Bah, aller à son panier, tu vois, genre se coucher. Quoi. Ouais. On dirait se coucher, aller à son panier, quoi, aller dormir.
Bon, c'est flou comme réponse. Hein, alors, il va m'en falloir une des trois. Ouais. Ah oui, quoi, ah une oui. des trois. Il y en a, eu que deux déjà. Mais ouais, coucou spanier. Ouais, coucou, c'est quoi se coucher. Se coucher. Ouais, coucher. Coucher. C'est pas dans le panier. Alors que aller au panier. non, nous faire le beau. T'avais l'air sauter. Ah oh, non, tu oui, peux saute. D'accord. Saute. Non. Les chiens, ils font le château, hein. Oui, mais oui, fais le beau. Allez au panier, toi, tu veux dire aller au panier. Enfin, je vais dans ton sens. Fais le beau, il m'amène sur une autre proposition. Le mec est ingérable, quoi. Le mec me lâche trois propositions au début, tout ça pour faire le beau. Faire le beau, ouais. Faire le beau, c'est dans le panel, troisième position. Voilà, fais-toi confiance. C'est bon. Tu m'as déstabilisé. Non, mais là, j'ai compris. On avait besoin de s'aligner. Sur du 5%, un truc rare. On a que 30 points de retard. Ils sont stun, regarde, ils ont plus rien. Ouais, c'est le moment où t'es trop bien. Il reste encore la 5, la 6. Il y a peut-être 10 points à gagner là-dessus. Hein. Au pied, le truc classique. Ouais, mais bon, je sais pas si. Ouais, vas-y. Ouais, bah, faire venir au pied, quoi, entre guillemets. Genre, viens ici, sale chien. Sale creps. Ce n'est pas dans le panier. D'accord. Au panier. Bon chien-chien. Au panier, c'est un bon chien-chien qui joue au panier. Bah non, ils ont dit ramener. Bon, je sais pas. Au panier, bon chien-chien. Tu sais, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quoi, en fait, les ordres que tu peux donner à un chien? C'est le problème, quoi. C'est que reste au pied. Tiens. Ouais, coucouche panier. Ouais, coucouche panier, panier. Coucouche panier. Mais non, en fait, des trucs classiques, c'est pas dedans. Putain, mais ils les avaient en plus, le truc. Ils ont dit ça, mais je me suis dit peut-être que panier allait être différent. Vas-y. Ah, on va dire faire une figure, quoi. Sauter, Tony Hawk, Pro Skater. C'est pas. C'est non. Allez, vas-y, ça MLG. Les deux dernières sont pas simples pour votre défense. Faire le mort. Mais putain, oui! C'est dedans, sixième position, bien sûr! Bah, ils ont pas validé encore! Ils avaient même pas validé! Vous, là, les gratteurs, vous avez encore 30 points d'avance! Deux points là-dessus, ça va les pinces! On a capté, les gars! Et dernier, vas-y! Réponse à la volée! Déjà, on joue pour 6 points, mais ils sont en galère, Zach! Tu vois, t'as été dans cette position, Zach! Un bon chien-chien! On va se poser des questions sur le panel qui a répondu quand même! Oh là là! Attaque! Moi, je dis attaque à mon chien, il attaque, je suis un bon chien-chien! Ah, le bon chien-chien! Il a dévoré un mec! Vraiment, on a deux chances! Mais crames en une. Non. Mais t'as une idée ou pas? Non. Moi j'ai plus d'idée. Je suis assez que j'ai pas de chien. On a faire le mort dans le panel, gars. J'ai plus d'idée. Parce que c'est un truc à 5 points, genre juste en dessous de s'asseoir. Fais le beau. Un bon chien, chien. Fais le beau. Tu sais, c'est genre, tu dis quoi? Oh putain. Genre, reste à côté de moi, tu sais, genre au pied. Au pied, ils ont dit et ça. L'ami des bêtes. Attends, un chien, ça se met sur deux pattes, ça s'assoit, ça se couche. Bon, allez, je laisse 5 secondes. Parce que... Attends, laisse-moi. 15. Ça va. 15. Fais-moi un câlin. Bon chien, chien. Au pied, non, au pied. Te lécher. Un câlin. C'est non. Ramène le journal. C'est non. Ramène le journal, voilà. C'était quoi avec la brique de lait. Franchement, la cinquième était pas simple. C'est tous les gens qui ont répondu très premier degré. Qu'est-ce qui fait un bon chien? Il obéit. Voilà, point la ligne. Non, mais c'est nu. Non, vas-y. Ah oui, non, était pas simple. On peut pas s'en vouloir. Non, on peut pas s'en vouloir. On peut pas s'en vouloir. On fait tous les ordres. Bon, bref. On peut pas s'en vouloir. À méditer. Encore huit questions. C'est à nous de commencer. Il nous reste 130 panels. On est fini. On a demandé au panel la première chose à acheter lors d'un emménagement. C'est eux qui commencent. Ok, c'est quoi? C'est un frigo. Et on résirait. Le bed. On dirait le lit. Le lit? Ouais. Ah, je connais une équipe qui va être dégoûtée. Hein. C'est une première place. Ouais, bien sûr. Bah, c'était, 41 41. Ça dégoûte que ça passe les tests à 41. Mais attends, quand vous passez premier, vous trouvez pas, les gars? Donnez la patte. Nous, on allait dire un canapé. Canapé, deuxième place, 11 points, bien sûr. Oh, la diff. Frigo. Le frigo? Ouais. Troisième place, 10 bah, points. Bah, bien sûr. Ouais. Oh, putain, on perd en points. Une télé. Quoi? Une télé? Ouais, pas mal. Oui, une télé. Non. Quoi? Non. Bah non, désolé. Bah c'est pas nous qui avons le mauvais point. Attends, c'est corrompu jusque-là, les gars. Ils ont 50 000 ans, ceux qui votent, c'est pas possible. Ouais, de la vaisselle, on va dire. La vaisselle. Ouais. Moi, j'avais fait celle-là. C'était une 7ème position, dommage. Ah non, c'est dommage. Une armoire. Une armoire. C'est nul. C'est non. Moi, j'avais besoin d'une armoire. Eh, une table à manger. C'est non. Des chaises. Attendez, on a pas validé. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est la première chose. Attends. T'arrives dans ton nouvel appart. Bonjour. Hop, j'ai absolument rien chez moi. C'est vrai que le lit vient vite quand même. J'ai mon lit, j'ai mon canapé, j'ai mon frigo, j'ai pas de télé déjà. T'es pas bien là. En plus, il aurait dû l'avoir, lui. On va dire ça, premier degré. Non, une chaise, c'est trop con. Non, c'est trop, t'as oublié un truc trop basique. Tu sais, genre la vaisselle, Ils ont dit ça. Ils ont dit la vaisselle, c'était 7ème. Mais pas du tout, on a jamais dit frigo. Je vous redonne la question. Je te promets qu'on a jamais dit la vaisselle. On a dit frigo. Frigo, c'était l'air. Oui, vous avez dit frigo et vaisselle, vous avez dit c'était en 7ème position. Ah, la vaisselle, ouais. Je redis la question exacte qu'on a posée au panel. On leur a demandé quelle est la première chose à acheter lors d'un emménagement. Ah, on l'a, ça y est.
Allez, à vous. Allez, dites-le, les gars. Toilette. Je vais 5 secondes. Attends, attendez, attendez, attendez. On emménage dans un truc qui est un peu meublé ou c'est une maison vide? Oui, c'est... mais en fait, c'est les gens, c'est les gens. Ils savent pas, ils savent pas. Tu veux pas non plus le pays où on emménage? J'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Ils ont pas, allez hop, dommage. Les toilettes, un truc qui est aux toilettes. Du PQ. Du PQ? Du PQ. Vous validez ça? C'est maintenant ou jamais? Ouais, ils ont validé, ouais. Ok, PQ, c'est le panel. Oh, combien? 3 points, 3 points, on prend, on prend. Bah nous on va dire... Oui, parce qu'il faut penser comme ça. Internet, Internet. Internet, Internet, c'est pas dans le panel. Quoi? Eh ben... T'aménages, tu demandes pas Internet? Non, vas-y, c'est quoi les gens? Eh, nos geeks. Ouais, les trucs genre de... gel douche... liquide vaisselle, tu sais, des trucs comme ça. Ouais, savon, liquide vaisselle... Non, attends, attends, on valide pas, on valide pas. Bah là, il y a 8 mots de toute façon, donc je vais pas pouvoir valider. Choisir. Sinon, de quoi nettoyer? Un balai? Non, c'est nul, qui achète un balai. Là, imagine, t'arrives, t'es à Ikea comme ça, là. Non, mais c'est... Il faut que t'aménages. T'as acheté ton canapé, t'as acheté ton frigo, t'as acheté ton... Ah, mais déjà, c'est ça, les frigos, c'était pas pensé à ça en premier. Ils ont pensé à un autre truc. Des gens, ils ont pensé au PQ en premier. T'imagines? T'aménages, t'achètes du PQ, frérot. Du PQ me fout droit. T'achètes pas une télé? Peut-être une bougie qui s'embande, non? Un bureau? Un bureau? Sans faire le non, même. En vrai. C'est des gamers, les gens de Popcorn. Ouais, un bureau. Un bureau avec. C'est... un setup gaming. Non. Un setup gaming. Non, bah non, on a dit table déjà, c'était pas. Non, en vrai, vas-y, ouais, c'est quoi les 4 et 6? Il y en avait un, qui... le 6ème aurait pu être trouvé, de la nourriture, juste une graille. Oh non, voilà. Mais c'est trop généraliste, quoi. Et bah, il y a des gens qui ont emménagement, déménagement, ils ont mis tout dans le même papier, carton, et c'était carton. En 4ème ah non, place. Le toncard, j'en étais sûr. Ouais, c'est pas con, c'est vrai que. Quand c'est t'aménages. D'un déménagement, une quoi. Une fois, tout prix que je me fasse ma table en carton. Et après, quoi. On parle des JL. Hein. Mais non, bien sûr. Les frérots, franchement, PQ. Bah, PQ. Bien... bah, c'est essentiel. Ouais. Oh oui, il faut bien se le torcher, mais bon, c'est pas le premier truc que c'est, si tu peux me permettre, c'est à vous de commencer, c'est d'avoir la première place, quoi, pour une fois. T'es là, t'es assis sur ton canapé avec ton PQ, t'as pas de télé. Tu regardes le plafond comme c'est là, là, t'as même pas de canapé. c'est vrai que, mais ça, c'est les gens, ils ont emménagé meublé, tu vois, je pense. Bon. Thomas, PA, vous avez encore beaucoup de points de retard, mais sur celle-ci. Quoi? Vous pouvez faire un mec dans la merde. Là, honnêtement, là, on passe à côté de notre panel. Hein, mais elle est pas simple, je vous le dis. C'est, allez, c'est un ordre inversé. Mais arrête de donner. Ah, d'accord. C'est... ah, c'est inversé. Et tu te détends, Gilles. Non, mais ça se voit que t'aimes pas. Non, mais ils sont stressés. Enfin, non, mais ouais, vous êtes en pression, enfin, c'est fou. On a demandé au panel quel pays a la meilleure cuisine. Ah, ordre inversé. Sauf que c'est en ordre inversé. Donc, en fait, ce que vous cherchez, ce qui fait le plus de points, c'est celle qui est normalement en 6ème position. Le top 6 est inversé. Le top 6 est inversé. Le 6ème devient ça. Premier, le premier vrai, devient 6ème. Il faut juste balancer au pif là parce que sinon on peut pas deviner le 6ème. Si. Après, je vous le dis comme ça, la première place c'est 68 points. Tu vois un peu la logique. Ça veut dire. Donc 68. Ah oui, parce que du coup les scores sont inversés aussi. En fait. Bah oui, du coup. Donc ça veut dire, en vrai, le 6ème du classement il va nous rapporter 68 points. Exactement. Hein? Non, ah mais... oui, non, mais c'est l'inverse, oui, d'accord. Okay. Le sixième du classement dans lequel les gens ont répondu va te rapporter 68 points. Tout à fait. Ah, parce que c'est inversé après, oui, les points ça, aussi. C'est ça, exactement. C'est... Ok. Du coup. Qu'est-ce qui est cool après? Maroc. Maroc, c'est une bonne bouffe. Maroc, c'est... Maghreb, tu vois. Ah oui, pardon, fracassement. Bah, je pense que c'est pas dans le top 3. C'est Clément. D'après le sondage, attention, d'après le sondage, parce que très bonne bouffe. Thaïlande un peu, ce genre de délire un peu. En vrai, Maroc. Allez, attention, messieurs, 5 secondes. Entre 4 et 6. On a 4 ouais, et 6 ça pourrait être Algérie aussi. 3. C'est le Maghreb. Il y a déjà eu des débats. 2. Maroc. Maroc, c'est dans le panel et c'est plutôt très bien placé. Ça arrive à la deuxième place pour 16 points. Ça n'est pas très bien placé. Hein. On va dire Indien, nous. Ouais, ça va, c'est cool. C'est le mieux. Enfin, vous dites Indien? Indien. Ouais. Indien, c'est aussi dans le panel. Ça arrive à la troisième place avec 6 points. Ouais, c'est pas mal. Du coup, au moins, on est milieu. Sixième. Par contre, qu'est-ce qui peut arriver? Ça s'est inversé, c'est chaud. Je rappelle à tout le monde que c'est inversé, c'est-à-dire que ce qui va apparaître en 6ème position, c'est ce qu'il y avait normalement en première position dans la réponse des gens. C'est pas dans le top 6 coréen, tu vois. Ah bon ? Par rapport à ce qu'on a dit, non ? Attends, souvent les gens. Tommy, je sais pas, je mettrai PA, pas ça et moi, je mettrai pas ça. Messieurs, il va falloir une réponse, s'il vous plaît. Je te crois. On va voir. Pour moi, c'est plus long. TikTok. Attention, 3. Je sais pas, c'est quoi la Corée. Oh, la Corée. Corée? Ouais, ils ont dit Corée. C'est pas dans le panel. Allez, nous on va tenter chinois. Chinois. Pas grave, c'est pas grave. T'inquiète pas, et ne culpabilise pas. La Chine? Ouais. Non seulement c'est dans le panel, mais c'est le bingo, c'est 68 points en 6ème position. C'était sûr, putain. Bah du coup, on va envoyer japonais. Le Japon était en 3ème position normalement, 4ème celle-ci. Italien, tardigrade, frérot. Italien, 2ème position, 5ème. Et France, 1ère position, 1 point. Voilà. Ah, je vois qu'il y a du dégoût sur le plateau. Il est serré le panel, hein. Et pourtant, quand vous avez la main, on vous laisse avoir la première place, tu vois, mais vous la prenez pas, je comprends pas pourquoi. Je suis abattu. Tommy, t'as peut-être un truc à me dire?
C'est dur là. Là c'est un stomp hein, putain. On peut remonter encore ou pas? C'est... Franchement oui. Là faut faire un perfect. Tu nous fais un x2 ou pas? Tu nous fais un x2? C'est faisable. Faut juste trouver la première place quoi. Je vais vous faire un x2 sur la fin, peut-être sur les deux derniers. Non, c'est bon. Nous on sait qu'on a gagné, on s'en fout, on a rien. Merci, les écoute pas, les écoute pas. Rigged. Voilà. C'est pas grave. Il a gagné 3 fois de suite et il se plaint l'autre. C'est qui produit l'émission? C'est Domingo ou c'est Jiraya? Bon messieurs. Il reprend des parts. Vas-y. On reste dans le culinaire. On a demandé. Quelle est la spécialité culinaire française, la meilleure spécialité culinaire française? Ah, la meilleure! Ah, bien ça, ça va être commencé. Ça va être bon, c'est sûr. La grenouille. La grenouille? C'est trop bon! Des grenouilles souvent? Mais alors, attends. Non, c'est les réponses. Non, mais je pense d'accord, d'accord. En fait, j'ai une question pour mon ami Gigi. Est-ce que si dans le panel, il y a des gens qui ont répondu quelque chose qui n'est pas français, vous l'avez évincé, vous l'avez mis quand même dans le panel? Alors, je regarde tout ce que j'ai, mais là, tout ce que je vois, c'est français. C'est français, donc voilà. Donc, ce n'est pas dedans. Si vous avez respecté les règles, c'est pas dedans. On a pensé. Bah non, du coup, sinon, il aurait évincé. Si jamais on galère, on garde ça. Ce ne sera pas le premier, je pense, mais c'est bon. Écoute, nous, on va tenter le bœuf bourguignon. Franchement, les gars, vous avez un level ce soir, c'est impérial. Première place. Mec, le bœuf bourguignon, c'est classique. Oh, c'est classique, je t'ai dit. En vrai, c'est pas si ouf. Oh, le bœuf bah, c'est 14, après, c'est pas grave. Prenez 13 points, essayez d'être deuxième au moins. Blanquette de veau, on va dire. Mais c'est n'importe quoi, là. Ça tue, la blanquette elle de veau. Elle est dans le panel, en 5ème position. Je serai pas avec toi au parc Astérix, Jiraya, mon pote. Hein. Ah, c'est fini, ça. C'est fini, les parcs d'attractions, toi et moi. Les gars, on va dire coq au vin. Je prends la responsabilité. Mais coq au vin, mais personne. Le coq au vin? Ouais, je prends la resp. Personne l'a mis. Quoi? Il a jeté des poubelles. Ouais, le cassoulet. Un petit cassoulet. Alors, de Castelnaudary. Le cassoulet? Ouais, c'est pas dans le panel. Allez, fondue savoyarde. Fondue savoyarde, il a envie de tenter. Fondue savoyarde, c'est pas dans le panel. Ouais, je pense que par spécialité culinaire française, c'est les gens pensent que c'était le typique en mode. Qu'est-ce qu'on mange? C'est genre très. Poteau feu, tu vois. Fondue de jambon beurre. Ah, apparemment pas trop. Spécialité culinaire, ils pensent au jambon beurre. Ben tu sais, un truc où tu te dis putain, mais ça, oh, it's so Frenchy. Ben oh, en fait, moi, j'ai mangé un pot-au-feu. Un omelette de fromage. Omelette de fromage. Mais c'est pas très. On se dit pas waouh, les Français. Oui, mais tu vois, pour moi, alors qu'un bon pot-au-feu. Baguette. Tu vois, baguette. Ouais, la mais baguette. Ton jambon beurre. Et jambon beurre. C'est que c'est les Français qui ont répondu. Thomas Père, il va me faire une réponse, s'il vous plaît. Et puis on envoie pot-au-feu. Pot-au-feu. Pot au feu, ouais. On est nul, on est nul. C'est pas dans le panel. Mais putain, spécialité française. En vrai, nous on va être classique, on va dire la baguette, hein. Genre le pain quoi. Ouais, vous êtes encore impériaux, c'est une deuxième position. Bah ouais, c'est classique quoi. Non, là j'ai trahi quelqu'un là. Non, vas-y, y a pas j'ai trahi quelqu'un à côté de moi. J'ai les larmes aux yeux. Après vous étiez sur un jambon beurre si je puis me permettre. Pas sur non, il a eu baguette avant. En fait, baguette. Day 1 j'avais dit baguette, mais on s'est mis d'accord après. Après c'est ma faute aussi. Non, mais je tue ta confiance. J'ai l'impression qu'on peut arrêter ce panel et juste en parler un peu. Je reviendrai plus jamais à Popcorn. Heureusement que tout à l'heure t'as gagné quand même avec les JL là, mais. Non. Allez, tentez-le. Dites-le. Non. Quiche Lorraine. Oh, pas mal. Tu valides vous validez la quiche Lorraine? Il la valide, je crois. Non, je valide plus. Je valide plus, cousin. Je valide pas. Laisse-moi réfléchir. Tu dirais quoi? Je vous laisse 15 secondes. La bouillabaisse. Blanquette de veau, en vrai, ça. Des cuisses de grenouille. Non, mais jamais de la vie. Ouais, c'est jamais. C'est PA? Non, mais je le laisse maintenant, vas-y. Non, mais... Cuisse de grenouille? Oui, je l'ai fait avec c'est baguette. Non. Ok, nous, on va dire le croissant. C'est non. Voilà. C'était quoi du coup? Les gens ont répondu quoi? Des cuisses de grenouille, c'est trop bon des cuisses de grenouille. Je crois que j'ai jamais. Escargots! Non, mais escargots, c'est pas dedans aussi, c'est non sûr. Plus. Non, je voulais dire, mais en fait, c'est les meilleures spécialités. Ça te fait rêver quoi qu'on dit tu vas manger des escargots? Mais oui, avec quoi? Moi, je pense qu'il y a le choucroute. Il y a peut-être fromage et tout ça, des fromages, tu vois, des trucs comme ça, j'imagine. Bon, il y a des gens qui vont peut-être hurler dans le chat, mais il y avait raclette et tartiflette. Mais nous, on a dit, c'est pas français, frère, donc on peut pas mettre ça. Raclette et tartiflette, j'ai dit les deux. Mais c'est pas français. Tartiflette, c'est pas français? Mais raclette, gars. Raclette, on peut dire que c'est suisse. C'est suisse. Éventuellement, oui, on est... C'est pour ça que je t'ai posé la question, Clément. Mais bon, bref, vous avez mal fait votre travail. Non, moins 70 points. Immédiatement. Okay, non, oui, non, le dernier. Non, le dernier. Oui, vous êtes oui Clément. Non, mais là, il y a un double de points. C'est gravissime. Et, c'est quoi, et le dernier, c'est. Bon, alors, il y a peut-être des gens dans le chat qui vont hurler encore. C'est breton et pas français, c'est les crêpes. Ouais, la Bretagne, c'est la France. Bah oui. Et oui, une galette. Par contre, non, mais c'est pas grave. On sait qu'on a 270. Laisse-les, Miskine. Non, mais là, c'est quoi? Dernière question?
Il reste deux questions. Ah, ouais, deux, mais là, on sait qu'on a lose, là. Ah, ça va être très compliqué. Non, il a 110 points, il a enlevé 110 points. Il va lui mais non, mais là, on ne peut pas jouer. C'est à vous de commencer ou c'est à nous, là, je peux jouer. C'est à Thomas et Péa de commencer. De toute façon, peu importe, on prend la première place. Messieurs, on passe en points fois 2. Le premier, est-ce que Job Life, 82 points. Ils se faisaient remonter, ils ont abandonné. Non, 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 non. Ils n'ont pas abandonné, mon pote. Ils n'ont pas abandonné, ils sont revenus coup de coup. Taïa JL. Non, mais pour vous aussi, c'est fois 2 les points, les gars. Arrêtez de pleurer. D'accord. Bizarrement, ça va être des questions. Ça va être des questions sur la carrière de Domingo. Donc, effectivement. Ça va être plus facile. Avant que tu poses la question. Avant que tu poses la question. Donc là, il y a 130 points de retard pour eux. T'es en train de faire un x2 sur un truc où c'est tellement évident qu'il y a 160 points à marquer. Non, 82. x2. S'il vous plaît, il peut arrêter de chialer. 82 et jouer, en x2. On plus là. On peut passer un bon moment. On a le droit de jouer. Allez-y. J'en ai moins. Bon, allez, messieurs. On a demandé au panel. Tous les panels finissent par un x2. Ça a toujours été comme ça. C'est la règle. C'est la règle. On a demandé au panel de leur citer. De citer, pardon, le meilleur bonbon Haribo. Bon, c'est facile. Ah bon, bon. C'est Dragibus. Frestagada. Non, non, non. Ouais. Frestagada. Je prends le contrôle. PA, Thomas, je vous laisse 10 secondes. Je prends le contrôle. Regarde bien. Regarde cam. Ouais. C'est Dragibus, mon pote. Dragibus. Ouais. Et le meilleur bonbon Haribo, voilà, selon toi, pour le panel. Ah, j'ai cru que c'était le meilleur. C'est dans le panel. Et c'est une première place. Voilà, oh, ce qui vous fait 82 points, bravo. Bien sûr, Dragibus, c'est la base. C'est bon. Mais combien de points, là? 82. 41. 42. 42. Les Schtroumpfs. Nous, on dirait les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Ouais. C'est dans le panel, 4ème place. 15 points x 2. Tagada. Tagada, c'est dans le panel, 15 points x 2, 30. Ouais, c'est sûr, je t'ai dit. La remontada, mon pote, la rue. Oui, oui. Non, non, non. Il y a un x 2, il y a un seul x 2, donc il n'y a pas besoin de 2 x 2. C'est un peu simple, quand. Il est dégoûté. Il y a toujours un x 2 dans le panel, c'est dingue. Attends. Non, c'est jamais. Ah bon, tu crois? Bah, bien sûr. Si. Putain, pour moi, c'est loin. Mais vas-y, on peut le tenter. Les chamallows. Les chamallows, c'était une 8ème position. Tu vois, très loin, chamallows, c'est très spécial. Alors, c'est nul. Désolé, peux te dire mon truc? J'y crois bien. Vas-y. Les petits oursons, là. Ah oui. Les oursons, c'est dans le panel, 5ème position. 3 points x 2, ça fait 6. Dès que ça parle de bonbons, frérot, le gars, il est 3ème du diabète, frérot. Attends. Ah, les crocodiles. Les crocodiles sont dans le panel. 9 points x 2, 18. Let's go. Smart. T'es bon, t'es et bon. Les derniers Tu me laisses les bananes? Ouais, vas-y, les bananes. Les bananes. Ce ne sont pas les bananes. Non, mais dommage. On a encore deux réponses. Attends, on a eu les oursons. C'est pas mal, mais tu te dis pas waouh, ça tue quoi. Ah ouais, si t'as le choix. Ah, les petites bouteilles de coca. Les bouteilles de coca sont dans le panel. Un point x 2, ça fait 2 points, bravo. Félicitations. Je pense que là, du coup, le dernier n'est pas en x 2, parce que la règle de Popcorn et du panel est simple. Il y a un x 2. Bien sûr, quand il arrange l'animateur principal. Il a été utilisé. Son allié scanner. Ensuite, il y a tout. Jouer les victimes. Non, mais là, 2 x 2, on ne peut pas gagner avec double x 2. Il n'y a que les coups. De toute façon, les gars, on va rester qu'un seul x 2. Je vous le dis, si vous gagnez Thomas et PA, va falloir que vous soyez vraiment très très fort, voilà, pour qu'on soit vraiment nous, très très comme nul. Comme ça, il y a un challenge. Ouais, non, mais déjà, il y a un challenge et nous, de toute façon, on sait qu'on a gagné. Est-ce que vu qu'on perd, on a le droit de commencer? Non. Ça va, gars. Non, on n'exagère rien. Les règles restent les mêmes. Zach, pour l'instant, on est dans des règles classiques. Non, mais ça me va, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de triche là. Il n'y a pas de. Non, bien sûr que non. T'es trop fair play, Domingo. Il peut pas parler que les bonnes du ski. C'est un truc de ouf. Vas-y. Nous avons demandé au panel dans quel endroit on peut faire une demande en mariage. Waouh, sa mère. C'est clim là. Ah bah moi, si je prends moi, c'est pas le bon bail. T'as demandé où? T'as demandé où? T'as demandé où? Attends. Une réponse de détraqué mental. Oula, au chiotte. Bah, en vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, en vrai, on va le dire. Non. Il a dit, il prend sa responsabilité. À Disneyland. À Disneyland, il a dit, gars. Mais Disneyland, c'est dans le panel, bien sûr. Bien sûr. En 5ème position. Ok. C'est sûr qu'on est pas là. Pour trouve le top 1 là, direct. Moi. Resto, ouais. Genre, ouais, dans les films, tout le monde, ils demandent leur sur un balcon. Ouais, sur un balcon c'est aussi, mais c'est vrai qu'au resto, je pense que c'est... Au resto, je pense que c'est, quoi qu'il arrive, c'est un peu le mieux. Tu sais pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit le plus, mais est-ce que c'est ou ce en que voyage, les gens y répondent le plus pas. Oh, Domingo, je stresse. Je sais, mais je pense que resto, c'est une bonne proposition. Écoute, j'ai l'impression que t'es sur une bonne voie. Au restaurant. Au restaurant. C'est pas le plus original, mais c'est le plus sûr. Les gens pensent à ça. C'est vraiment pas mal. C'est pas une première place, mais c'est une deuxième place avec 25 points. 25 points, 25. On est dans la course. Très bien. On est dans la course. Pour ce panel qui n'a pas encore été triché, hein, je le rappelle. Non, mais c'est vrai. C'est ça qui est fou. C'est que là, c'est serré. Il y a juste eu un x2. D'habitude, c'est sur la dernière manche. Et sur la dernière manche, on a tendance à se dire c'est un peu triché. Là, c'était avant. Donc. Oh, tu te sens bien là. Ah, il pouvait être bon sur le truc, sur les bonbons Haribo. Hein. C'est vrai, ils auraient pu. Tente.
Tu veux le tenter? Non, mais vas-y, je te laisse réfléchir quand même. Je réfléchis un tout petit peu et vas-y, après vas-y. On voit. Et on a... Mais toi, par exemple, Gigi, tu dirais que t'as demandé où, toi, par exemple? Peut-être plein de gens ont fait pareil. C'est secret ou oui? Je sais pas, j'ai pas l'info. J'ai trop envie de savoir, là. Moi aussi. Ah, je vais dire en off. Gigi, Zach, il va me falloir une réponse, s'il vous plaît. Écoute, tu sais quoi, Zach, il veut le tenter. On y va, à la plage, pourquoi pas. À la plage? Ouais. C'est une fin du game, première place. Voilà. Je suis désolé, les gars. Thomas Perra, il faut arrêter là. C'est finito. Gigi, Zach, félicitations. Bah là, on rigole plus, les gars, quoi. Il n'y a pas de. À la plage. Je t'ai dit, à la plage. À la plage. On aurait dit voyage, en voyage, quoi. Mais c'est non. Je te promets que c'est parce que c'est des Parisiens qui ont voté. Parce que dans le sud, tout le monde s'en fout de la plage. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Mais eux, c'est pour Paris Plage. Donc, c'est pour ça que c'est. La demande, elle est faux, blague. Au bord de la Seine, il y a des lives. Vraiment. Ah tiens, bah on les 10 000 personnes ne sont pas que des Parisiens, les amis. Il y a tout à la plage. C'est, bah, vrai, la c'est plage, vrai, bien sûr. Est-ce qu'on dirait pas un truc basique, genre la plage, c'était vacances, dans un hôtel, tu vois. Ouais, hôtel. On attends, dans un hôtel. Par contre, c'est à nous de jouer. Non, mais là, c'est perdu. J'ai même plus envie de jouer. Moi, l'hôtel. Mais non, c'est à nous de jouer. Ils viennent en voyage. Non, c'est à eux de jouer. C'est à Gigi et Zach de jouer. Vous avez dit quoi, du coup, à l'hôtel? À l'hôtel. À vous de jouer, Thomas Perra. Voilà, c'est à vous, les gars. T'as vu dans les films Carrie, ils ont des petites falaises, ils se mettent dans des voitures. Ouais, tu... Il regarde la ville. Sur une falaise, tu dirais. Sur une falaise qui donne sur une ville un peu sympa. Pas forcément le mot falaise, tu m'as compris. Avec un petit coucher de soleil. Dans un cinécar? Dans un cinécar avec. Si il dit ça, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. Ouais, cinécar. C'est pas dans le panel. Cinécar. Alors là. Elle est où la régie? Non, mais vraiment. Là, je t'aurais dit, ouais, en effet, les, bah, tout simplement. Attends, mais c'est vraiment un con. J'ai demandé au cinécar. Attends, sur un bateau. Sur un... Ouais, sur un attends, mais là, t'as trahi, tu... c'est pas ton frère. Sur un bateau, nous on va dire sur un bateau, vas-y, c'est quoi? Sur un bateau, non, c'est pas dans le panel. Mais hé, frère, on aurait dû juste dire à la maison, comme tout le monde. Hop. À la maison, ah non, c'est pas à vous de jouer la... Non, c'est pas à nous. À la maison. À la maison, mais oui, c'est dans le panel, bien sûr, 6 points, c'est bravo. Tu vois, c'est chez soi, quoi. On peut plus gagner. Mais c'est pour nous. Attends, vas-y, j'en ai un pour finir, chez les parents. Non, c'est non. Mais non, mais ok, tu nous mets un fois 100 pour la dernière réponse. Allez, avec plaisir. Je mets un fois 100 sur la dernière. Allez, for all time. Vas-y. Sur une colline. Sur la colline à des yeux. Mais qui donne sur la ville, hein, qui donne sur la ville. Ah, vas-y, c'est avec trop, le cinécar. Avec le coucher du soleil. Non. Oh là là. Non, je suis désolé. C'était quoi les dernières réponses? Vraiment le fond d'écran. À la Tour Eiffel en 6ème place, 2% des voix. Tiens, toi, t'as raison, frère. Je peux dire que c'est pas des Parisiens qui répondent ça au passage. Au parc. Au parc. Au parc. Dit la plage. Au parc en train de promener son chien. Bon, Gigi Zach, c'est une victoire en tout cas, bravo, félicitations. Bravo, bravo. Merci sans triche, une victoire clean qui fait plaisir. Vous êtes allé la chercher cette victoire? Je sais pas, je suis West Side, mais du côté Montard. On peut tout être. Non, Thomas. On a perdu, mais on s'est bien amusé. Non, ça a capté la mentale du panel. Il est très. Non, par contre, je tiens à le dire, Zach est vraiment très très fort. 4 wins de suite, Zach devient dangereux. Hein. Zach a carry les deux tiers de cette game. Officiellement, plus invaincu au. Ah, non mais série de 1, je sais pas. C'était pas non plus la fin. Il y a une série de 4 qui te regarde de haut là-bas, si tu veux, c'est... On va lui mettre... J'ai été la risée pendant 1000 ans, ça fait plaisir de... C'est vrai. De win. Mais bon. Vraiment, la petite analyse de je connais le public popcorn, ils ont mis le foot, c'est sûr. Le foot, c'est vrai, incroyable. Ah, celle-là, j'étais content. Sur les 6%, t'allais le chercher. Merci les gars, en tout cas, d'être... Bah, merci à toi. D'être possible. Passez quand vous voulez, de toute façon. Hein. Il est très à l'aise. Avec Tommy, maintenant, on fait tout ensemble. Y a sur rien, tous les jeux, on sent qu'il y a un truc. Il y a une connexion. Non, mais c'est vrai que vous passez souvent. Zach, si, du coup, sur ta chaîne YouTube, là, va y avoir la visite à Nantes avec Charlie. Exactement. Dimanche, pardon, les Villes de France. 8e épisode à Nantes avec Charlie. Je l'ai rencontré ici. Je m'entends très bien avec elle. Et on a pu voir, du coup, cette jolie ville de Nantes sous fond de manif. Hein. Il y a des endroits où on passe, il y a barricade en feu et tout. La folie. D'accord. Mais on a pu quand même voir la belle cité nantaise, c'est dimanche sur YouTube. Bah écoute, très bien. Gigi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bientôt un petit live avec Xari, Lohan, ouais, moi-même. Ça peut être juste super dingue, non? Et les de Calvas. Ouais. Non, en ce moment, écoute, on va essayer de réenregistrer une prochaine vidéo sur les comptes, parce que ça fait un petit moment, là, j'ai eu pas mal de galères, on va dire, pour pouvoir enregistrer. Et puis c'est la saison des parcs, en vrai, qui commence, donc je vais continuer pas mal de vlogs, et puis les lives. Une vidéo, de toute façon, avec Tommy qui arrive. Tu me ramènes déjà? Frère, il faut qu'on se ramène à Europa Park, c'est un classico, tu vas te régaler. Et puis si tu prends Europa Park, on ira à Fantasyland, et là, tu... Vas-y, c'est bon. Il y a un duo, là, qui est né, Lui, il se retrouve dans 20 projets, il était nulle part. Il est arrivé, je suis en mode cache sur le bobama, mais il est parti. Les gens vont plus en pouvoir, s'il te plaît, fais un peu des lives. On en peut plus. Il est où? Il est libérable, là, comment il s'appelle déjà? Rossway, non? C'est qui déjà? Javier. Javier.
C'était un peu pareil. Reçois, j'ai tenté un peu. Non, mais Tommy, ça a fait très plaisir de te retrouver dans ton corps, honnêtement. Et, vous aussi, avec vous aussi également. Bah, merci, bah, pareil. Un petit valo, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se fasse un peu plus de trucs ensemble. Avec, avec plaisir, mon ami. Les amis, merci aussi de nous avoir suivis. Comme d'hab, c'était très cool. On va se retrouver mardi prochain, un peu sur la chaîne de chacun. Qui mardi prochain? Je peux pas le dire encore. Mardi prochain, on a une belle line-up. Je suis pas là pour dire que c'est mieux qu'aujourd'hui. C'est dur de faire mieux. C'est différent qu'aujourd'hui. C'est différent d'aujourd'hui, mais très belle line-up mardi prochain. N'hésitez pas, si jamais on a sorti un nouveau drop, boutiquepopcorn.fr. Si jamais vous avez 72 heures pour commander, tout simplement, avec potentiellement donc un œuf d'or qui sera dans une des commandes qui vous permettra 150€ de bon d'achat sur le merch, qui est très cool, mais aussi de pouvoir venir tout simplement voir un peu les coulisses de Popcorn avec un pote à vous, celui que vous voulez, si jamais vous avez l'œuf dans cette sublime boîte boutiquepopcorn.fr. Très bonne soirée à tous et toutes, et à mardi prochain. Ciao tout le monde. Ciao.